Oui, hey, c'est Headley que vous venez d'entendre sur tous les hits à Montréal Énergie 94.3. Comment votre fin du monde se porte? Oui? Est en santé? Elle va bien? Ok, parfait. Mais votre fin du monde ne sera plus pareille dans quelques minutes, puisqu'il va y avoir le Whiz Quiz Énergie et gracieuseté de Guillaume Lemaitie Vierge. Il y a encore une fois ce matin. Wow! Un saut en parachute à gagner, OK, à l'école Voltige de Guillaume Lemay pour les gens qui voudront participer avec nous. Ça nous prend une fille avec Anaïs au 790-094-3 immédiatement. Ça nous prend un gars pour appuyer Philippe Bound au même numéro 790-094-3 et vous dire que la compétition est serrée entre ces deux intelligences sur quatre pattes. Qui l'emportera dans l'au-delà? Qui l'emportera dans l'au-delà? Eh oui, c'est peut-être le dernier Whiz Quiz du monde, hein? C'est épouvantable d'arrêter ça comme ça. Ça me fait, tu vas faire peur, moi. Là, c'est pas grave. Tu sais, t'as perdu depuis le début. Oui. Mais si tu gagnes celle-là, ça, c'est quand même le plus important. Je suis la dernière. Tu pars la tête haute. Ouais. Oui, 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 oui. Toi, tu partirais dans la honte et elle dans la fierté. Ben, je suis habitué, moi, de partir dans la honte. OK. On joue dans quelques minutes. On a Pérus qui s'amène également ce matin. Let's go, François. Ça vient du monde. Fait que je devrais dire. Devrais-tu pas? Devrais-tu te dire? Ça vient du monde. Fait que je devrais-tu faire toutes les choses j'ai toujours voulu faire dans vie ou je devrais-tu pas aujourd'hui? Y a-t-il toujours quelqu'un à l'écoute? La fin du monde, c'est encore drôle. Jusqu'à 12h21, live du Bunker Énergie. Pagé, Bond, Anaïs Favron et 21 corps de métier prêts à rebâtir la planète. Papa, t'as vu? Qu'est-ce que c'était? 94.3 Énergie. À 6h06, pour les gens qui arrivent du secteur de Chambly, qui veulent se diriger vers Saint-Bruno, c'est rouvert. La bretelle 10 Ouest pour 30 Est, le camion a été déplacé. On a un accident. Transcanadienne Ouest à la hauteur de Cavendish, voie de gauche, voie du centre, qui sont fermées. Le retard est depuis le secteur Côte-de-Liesse. Les traversées de la Rive-Sud, ça va bien. Un petit peu de résistance pour les ponts Champlain et Mercier. Et du côté de l'autoroute des Laurentides, on ralentit à l'approche des cours d'eau. Boxing Day chez Harley-Davidson Montréal et Moto International du 22 au 24 décembre. Plusieurs articles cadeaux à partir de $20. Harley-Davidson, Montréal et Moto International, Saint-Jacques, coin Cavendish. Il est 6h09. François Pérusse s'amène dans les prochaines minutes, manquez pas ça, avec son bonhomme gonflable. Il y a également le Whiz Quiz Énergie avec Anaïs et Philippe Bond. Et Anaïs, la météo ce matin. Oui, ben c'est pas tout à fait magique ce matin. Il y a de la pluie ici à Montréal. Quand je me suis emmenée, ça pleuvait. Certaines régions, c'est de la neige. Fait que toute la journée, on attend de la neige mêlée de pluie. Il devrait faire 2 degrés quand même. Hein? C'est pas super. En ce moment, il fait 1. Ouais, ben c'est ça. Vous le dire, ici à Montréal, c'est de la chaleur, de la pluie. Juste un petit peu en sortant d'un couronne, là. Ça tombe en neige l'esprit, ce matin. L'esprit, là, ouf. Montérégie, il va en avoir. Ouais. Pour Noël, du soleil. Dimanche, lundi, mardi, du soleil. Mais ça va descendre là, dans les moins 10. OK, parfait. Hey, juste avant François Pérusse, connaissez la trilogie Le Seigneur des Anneaux? Vous avez vu ça? Tout le monde a vu ça? Pas vu, mais je sais quoi. Ben, tout le monde a vu le vieux méchant, là, lui là, qui est Christopher Lee. Là, qui est très méchant. Là. Il est rendu à 90 ans. OK, il rajeunit pas. Mais dans sa tête, il est encore jeune. OK, je vous le fais entendre avec une chanson, une douce chanson du temps des fêtes. Son album s'appelle Heavy Metal Christmas. Ouais, c'est ça, voyons c'est donc. Ça, c'est ce que ça dit. Ouais, 90 ans, lui, il sort sa guit, son appui. C'est pas lui qui joue de la guit, là. Mais, grâce quand même, là, je tenais à vous le faire entendre ce matin. Christopher Lee, Heavy Metal Christmas. Pour ceux qui n'aiment pas le petit rano nez rouge. Pour ceux qui ont envie de fracasser des bouts. Absolument. Ah, il est déjà rendu à 6h10. On y va avec notre bonhomme gonflable et on vient tout de suite avec le Whiz Quiz Energy. On l'appelait de Lady Rouge, le Lady. A comme il était le mille lignon, le moi, j'suis allé à de l'eau, quincaillerie, de l'aide. Pour acheter mon âme neige qui souffle, le l'aide. Qui souffle, de l'aide. Parce qu'un ventilateur, le ventilateur dans le cul, de l'aide, de l'aide. J'ai mis le banc de l'âme de neige, de l'aide. Dans mon entrée, de l'aide, de l'aide. J'ai mis le ventilateur, le ventilateur, de l'aide. Le ventilateur, dans le cul, de l'aide, de l'aide. Puis j'ai pris de l'aide, la plug, de la plug, pris la plug, de la vie, la plug, de la vie. Puis j'ai mis de l'aide, la plug, dans la plug, de la plug, dans la plug, de la plug, les plug, de la paf. Le
parti de la tide la de petit de la face de dit la de pouf. T'allais le chercher le choix là le cheveu. T'allais chercher le choix là le. T'allais chercher le ce choix cheveu de ma blonde de puis ma soeur de le cul de bonhomme de neige de la de du d'anus. La bonhomme de la neige pas gonflé par les loutes. Le feu de l'eau de poignet dans l'eau d'adi. Le feu de poignet dans l'eau d'adi. L'eau d'adi d'odé. J'te dis le dit qu'avec le bouquin l'eau d'adi. Là j'te dis le dit qu'avec le bouquin l'eau d'adi. Puis l'eau d'adi l'eau dans les ponts. Puis l'eau d'adi de pieds sont arrivés. L'eau d'adi l'eau d'adi l'eau d'adi l'eau d'adi. Qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est ça. Qui m'a demandé l'eau demandé. Qu'est-ce qui t'est arrivé, qu'est-ce qui t'est ça. Rien du j'ai mis je fais foirage. Mon bonhomme de neige gonflable, le pompier m'a dit pour y donner un shampoing de l'idée, t'étais pas dans le bon coin. Deux concurrents. Alors, il faut réfléchir à une question. Deux indices. C'est bien là la question. Un gagnant. La question qui pourrait susciter l'intérêt de l'auditoire. Le Whiz Quiz. Énergie. Whiz Quiz Énergie, c'est 2-2 cette semaine. Une chaude compétition avec Anaïs Favron et également Philippe Bande. Et ce matin, pour les accompagner, tout d'abord, pour Philippe Bande, il est de l'Épiphanie. Il s'appelle Sébastien Gélina. Salut, Sébastien. Bon matin. Salut, bon matin. Yes. Bienvenue dans le Whiz Quiz, Sébastien. Merci. OK, on te souhaite bonne chance pour le saut en parachute à l'école de parachutisme Voltige de Guillaume Lemaitivière. Okay? On n'a pas besoin de chance. Non. OK. Martine Lacasse est de Verdun et c'est elle qui va accompagner Anaïs Favron. Bonjour, Martine. Salut, comment ça va ce matin? Ça va super bien. Ça va mieux que je pensais même. Ben oui, t'as-tu eu peur de mourir à minuit? Non, je dormais bien à minuit. À minuit, tu dormais bien, mais là, t'es contente de voir qu'on est tous vivants ce matin? Ah ben oui, c'est sûr. Okay, parfait. Écoute, on te souhaite bonne chance également, Martine, pour le Whiz Quiz Énergie, OK? Merci beaucoup. OK, donc elle accompagne notre amie Anaïs. On est prêts tous les deux, on va y aller avec le pile ou face tout de suite. OK. Face! Oh! C'est la première fois que je gagne 3 faces dans une semaine. OK, attention. Martine Lacasse et Anaïs Favron. On est là, Martine. Ça sent l'échec. On est là. Vous êtes là? OK. Il a mis le feu à Monterrey en 1967. Il a mis le feu à Monterrey en 1967. 10 secondes à partir de maintenant, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On sent la pression. Qui? Jimi Hendrix? Écoute, moi, j'ai tellement aucune idée que je vais te suivre, Martine. Est-ce que c'est Jimi Hendrix? C'est une réponse finale? Oui, Pierre. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Jimi Hendrix! Oh! Attends un peu, là. Martine, sans doute, ouais. Okay. Verdun? Toi, oui, Philippe, t'allais dire. Monterrey. J'allais dire Jack quelque chose. Monterrey. Attention, Jack, Philippe, concentre-toi. Concentre-toi. Sébastien, t'es prêt? Oui. OK, parfait. Celui du Rockefeller Center est légendaire. Celui du Rockefeller Center est légendaire. 10 secondes jusqu'à maintenant, c'est 1-0 à Anaïs. Sébastien. Moi, je dirais le sapin de Noël. Bravo, il va avec le sapin de Noël. Philippe, est-ce que tu es sûr de votre réponse? Oui. Moi, je pense que c'est le McDo. C'est le sapin de Noël! Sérieusement, ce matin, on a des auditeurs assez solides. Okay. C'est bon, mon Seb. Ah, tu savais pas? Ben, oui. Ah. Mais c'est parce qu'il y a un bar, il y a des putes ou quoi? Oui. Non, okay. S'il vous plaît, Sandra est solide. On reste concentré dans la solidité du Whiz Quiz. Okay. Fait que là, c'est ma chance de me sauver. Oui. Hey, là, si tu l'as pas, tu sais que je gagne. OK, on y va, s'il vous plaît. Please, Martine. Martine de Verdun, t'es toujours là? On s'entraîne. OK, on y va. La question est la suivante. OK. Plus on l'utilise longtemps, plus il coûte cher. Plus on l'utilise longtemps, plus il coûte cher. 10 secondes. La tension est à son maximum dans le bunker. Ça va être facile. Merde. Plus on l'utilise longtemps, plus il coûte cher. Une réponse, Martine et Anaïs? Non, aucune idée. Go! Philippe Bande. Non. Ah! Okay, Philippe! Seb, pour une victoire, attention! Okay. Indice. Oh, il est debout, il m'énerve. On le hèle, on le siffle ou l'on crie pour attirer son attention. On le quoi? On le hèle, on l'appelle. On l'appelle? On l'appelle, on le siffle, on crie pour attirer son attention. Le taxi? Sébastien Gélina. Est-ce que c'est Bande? Le taxi? Oui. Est-ce que c'est votre réponse finale? Oui, le taxi. C'est... Ah ben oui, plus c'est... tu roules, plus ça coûte cher. C'est le taxi, Sébastien! Ah! Sébastien, est-ce que tu es bel et bien le Sébastien Gélina de l'Épiphanie? Oui. Est-ce que tu es celui qui s'en va avec Guillaume Lemaitivière, cher du Tawai? Oui!
taxi! Attends un peu, là! Et c'est la première taxi. Fois, Philippe, qu'aucun oui. de nous deux répond à une question! Et oui! Sébastien, Gélina, t'es mon nouveau meilleur ami! Écoute, alors, gars! Écoute, il est fantastique et ça permet une victoire à Philippe Bande de 3 à 2. C'est ça, je vais vous retrouver! Hey, ça a été fantastique, ça a été un beau whiz-quiz! Non, c'est n'importe quoi ce hey, bravo! Non, regarde, t'es tellement mauvaise perdante! Sébastien Gélina, le gagnant, Martine Lacasse à Verdun. Merci beaucoup, OK, Martine? Merci beaucoup. À très bientôt et passe une belle période des fêtes, OK? Et là, on s'en va tout de suite à Pérusse. On est dans l'émotion ici dans le Bunker Énergie. Ah! C'est la fin du monde. Fait que je devrais dire, devrais-tu pas, devrais-tu te dire? C'est la fin du monde! Fait que je devrais-tu faire toutes les choses j'ai toujours voulu faire dans vie ou je devrais-tu pas aujourd'hui? Je devrais-tu aller chez Burks pis dire à madame je veux m'acheter un anneau à 35-40 000$? Oh! Parce que vois-tu, me suis fait faire un piercing dans le... Pis à ce prix-là, allez-vous me le mettre si je lâche pas? Je devrais-tu aller dans une boutique de linge pis quand la vendeuse arrive, elle dit voulez-vous quelque chose de particulier? Là, j'ai dit... Je regarde les jeans d'arnaque! Devrais-tu aller chez le beau vitre d'auto pis dire, j'peux-tu voir le beau? Le beau, y'est pas ici. Bon, ben, j'peux-tu voir le lettre? Pis là, faire j'devrais-tu ou j'devrais-tu pas? J'devrais-tu aller chez le concessionnaire Lamborghini pis dire au vendeur, j'vais les prendre toutes? Hein? Pis quand qu'il va me dire, c'est pour payer comme avec son air abruti? Moi, te payer avec mon petit bout. Fait que ben, c'est culotte. J'devrais-tu aller chez Future Shop pis dire, c'est la fin du monde, votre nom veut plus rien dire? Et pis quand il va me répondre, tu veux qu'on s'appelle comment? Appelez-vous Future Shop. Stop. Pas compliqué, sacrément. Ah. Ou bien on devrait-y juste rester chez nous, chérie, et se jouer après le pop. Dis vos nouvelles de fin de soirée. Fin du monde ou pas, c'est toi mon chocolat. Puis Foggle Diddle Doo, le calendrier Maya. La radio. De tous les hits. Énergie. OK, il est maintenant 6h22 minutes. On vous souhaite une bonne dernière journée avant la fin du monde qui peut arriver n'importe quand, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, d'ici midi 21. Donc, c'est aujourd'hui le 21 décembre et dans quelques instants, c'est Nickelback qui va être là en musique ici sur la radio de tous les hits. Et pour l'instant, c'est Étienne Phoenix et ses infos en 94 secondes. Merci Pierre. L'hiver qui est officiellement arrivé depuis 6h12 et on a plusieurs fermetures d'écoles, surtout au nord de Montréal. Écoutez ça, c'est le cas des écoles de la commission scolaire des Laurentides, des affluents Pierre Neveu, des Samar, Grande Seigneurie, ça c'est sur la rive sud, Wilfrid, Laurier et des Mille-Îles. Le collège de l'Assomption est également fermé, de même que l'Académie La Fontaine, Antoine Manceau, Esther Blondin, François Labelle et Laurentienne. Pour tous les détails, je vous invite à consulter la section Urgence Neige du radioénergie.ca. Ça change de minute en minute. Si vous le pouvez, évitez les urgences des hôpitaux de Montréal. Ça déborde carrément, les cas de grippe qui explosent littéralement de 55% et de 22% pour la gastro. Il est fortement conseillé de contacter Info Santé. La police demande l'aide du public pour retracer l'auteur d'un délit de fuite mortel comme hier soir à Sainte-Thérèse, au nord de Montréal. Une femme de 72 ans qui a été fauchée par un véhicule après avoir fait une chute à l'intersection de la rue Saint-Charles et du chemin Côte-Saint-Louis. Les enquêteurs qui ont très peu de détails pour retracer le chauffeur. Une minute de silence sera observée ce matin aux États-Unis à la mémoire de ces petites victimes de la fusillade de Newtown au Connecticut et va se tenir à 9h30, heure vers laquelle le tireur fou est entré dans l'école. Ça sera aussi, et c'est aussi la journée choisie par le puissant lobby des armes, la NRA, pour réagir à ce drame. Et si vous entendez ma voix, c'est que la fin du monde prévue aujourd'hui, selon le calendrier maya, n'a pas eu lieu, du moins pas encore. Au Canada, 10% des gens y croient, selon un sondage. Et selon le psycho-éducateur de l'Université de Montréal, Serge Larrivé, les membres de sexe sont particulièrement vulnérables à ces fausses prédictions. Les faire changer d'idée, c'est presque impossible. Et quand ils ont convaincu, il n'y a aucun fait dans la réalité qui est assez fort pour les faire changer d'idée. Mais bien sûr, la meilleure façon de passer cette fin du monde, c'est avec nous dans le Bunker Énergie. Oui, merci beaucoup Étienne, hein, et tu es le bienvenu dans notre Bunker. Tu sais que tu as une entrée spéciale réservée à toi là pour qu'on ait un c'est service. C'est sûr que je vais y aller. Pour le reste de la planète si jamais la fin du monde survient à un moment donné. T'es sûr qu'il va y avoir cette place? Il y a cette place, il y a cette place. 6h24, la météo, Anaïs, s'il vous plaît. Ben, il neige à quelques endroits à l'extérieur de Montréal. À Montréal, c'est plutôt de la pluie, puis entre deux, ben, il doit
tomber de la slush du ciel, mais c'est un peu ça, cette journée de fin du monde, fallait pas s'attendre à moins. On attend 2 degrés un petit peu plus tard dans la journée. Ça, il va faire beau dimanche, lundi, mardi, soleil, mais en bas de 10. Enfin, il fait en ce moment 1 dehors. Parfait. Nickelback s'en vient dans quelques instants. Martin Lemay. La Ligue nationale a annulé ses matchs jusqu'au 14 janvier. Pierre, d'habitude, on fait ça à coup de 2 semaines. Là, on a vraiment fait un trait jusqu'au 14. Pour te rappeler, 94-95, lors de la dernière fois qu'on a joué une demi-saison, soit 48 matchs, on avait réglé le 11 janvier. On avait commencé à jouer le 20 janvier. J'ai sorti ça, peut être à peu près dans les mêmes eaux, là. J'ai sorti la calculatrice. Pierre, j'ai fait des calculs. Ouais. On est rendu au 97e jour de lockout. Ouais. On a perdu 463 parties. Et en salaire, les brillants joueurs de la Ligue nationale de hockey ont perdu 666 395 629 $ et 44 sous. Tabarnouche que c'est de l'argent, Martin. C'est du cash au pied carré. Et je termine en te disant que le Canada a perdu un match en concours hier face à la Finlande 3-2. Et quand tu regardais en reprise le soir, ils ont encore perdu 3-2. Ils ont encore perdu 3-2. Donc, un total de 6 buts contre le gardien Subban hier. OK, merci beaucoup, Martin. J'ai croisé 2-3 joueurs la semaine passée. Vite, vite, j'ai jasé avec eux autres. Puis eux autres, ils y croient plus, là, en passant. Ils vendaient des palettes de chocolat. Oui, exactement. Ils sont venus cogner chez nous. Non, mais il croit plus. On ramasse les vides. On ramasse les vides, le canard. Oui, j'ai un, là. Hey, Anaïs Favron, s'il vous plaît. On va parler cinéma un peu. Vous savez, des fois, on regarde des films puis on voit une caméra passer, on voit un bout de réalisateur ou on voit une voiture qui a pas rapport dans un film des années 70. Ouais, des affaires comme ça. Et ils ont fait le top des films avec le plus d'erreurs de 2012. En troisième position, l'extraordinaire Spider-Man. En deuxième position, Skyfall, dans lequel il y a 26 erreurs. Et en première position, le film Men in Black 3. Ah ouais? Où il y a 63 erreurs. Et ça, c'est un record. C'est quand même le double de plus que la deuxième position. J'ai envie de le voir juste pour les noter. Ouais, oui, Xavier Dolan. Il n'est pas là? Il ne fait pas d'erreur. À part pour son look, jamais d'erreur. Hey, merci beaucoup, Anaïs. À tout à l'heure. Mario Bellemare est là pour la circulation ce matin. On s'y dirige immédiatement. Mario! Il neige abondamment dans le secteur de Repentigny, secteur de Laval, mais par contre, il n'y a pas de retard majeur. À Repentigny, on est avant la 640 pour la 25 à Terrebonne. Nombreux à partir de la montée Masson, mais encore là, c'est en mouvement. L'autoroute des Laurentides, premier retard entre la 640 et la rivière des Mille-Îles, quartier jusqu'à la rivière des Prairies. La 13, vous êtes nombreux depuis la 440. Il est traversé de la rive sud. 10 minutes et vous êtes de l'autre côté du fleuve. De maintenant, chez vos concessionnaires Mazda, obtenez 0% de financement à l'achat sur tous les modèles 2013, plus ne payez rien avant 90 jours. Détails chez votre concessionnaire Mazda. Lady Gaga à Montréal. Hey everybody. Le 11 février prochain au Centre Bell. I can't wait. Les billets sont au radioénergie.ca. Le Born This Way Ball s'amène à Montréal. Énergie. 94.3. Nickelback, sur tous les hits énergie, dans C'est encore drôle, spécial Bunker Énergie, alors que c'est la journée de la fin du monde. Mais je vous avertis tout de suite, j'ai des informations privilégiées me disant que les premiers pays touchés par la nouvelle journée, donc pays genre Australie, s'en sont bien sortis jusqu'à maintenant. Ouais, OK. Mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. La journée n'est pas terminée. Parce que Sainte-Adèle, là, je pense que moi, pendant que je m'en venais, là, ça commençait tranquillement à s'effacer. Moi, je pense qu'il n'y a plus de vent à Sainte-Adèle. C'est facile. Ah non, il n'y a plus rien. Là. C'est je voyais rien. Là. Je regardais dans mon miroir, puis les ports du Nord ne sont plus, je pense. Oh, mais écoute, question de sécuriser la population. Okay. Énergie ne recule devant absolument rien. Nous avons bâti. D'ailleurs, je tiens à remercier tous tes amis qui ont bâti le Bunker Énergie. L'ingénieur Gabriel Collette, Stéphane Larocque. Donc, les gens qui ont bâti le Bunker Énergie, on les remercie. Je remercie également Anaïs Favron ce matin de manière particulière pour son habillement parce qu'elle a dit tant qu'à mourir, je vais être cute en temps. Oui. Qu'on est secouru par des pompiers. Oui, on sait jamais. Et tantôt, l'oreille me titillait quand tu lui as posé une question. Est-ce que tu veux la répéter en ondes? Non, absolument pas. Okay, et nous ne prenons aucune chance, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Nous avons demandé au curé le plus célèbre de la province de Québec de nous parler un petit peu ce matin, de nous sécuriser pour cette fin du monde. Non. Voici donc le curé Poirier. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi. Oui, oui, oui. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Oui. C'est toi. Vous voilà tous réunis dans le Bunker Énergie. Le Bunker Énergie, une espèce de futur club échangiste. Oui, pour le commun des mortels, la souffrance de cet apocalypse annoncé sera grande. C'est à cause de vous et de vos péchés que la fin du monde.
D'ailleurs, les gens me demandent souvent, curé Poirier, est-ce que les animaux vont au paradis? La réponse est oui. Sauf les chats. Dieu est allergique, puis vient juste de changer de sofa. Alors, louez le Seigneur et ramenez-le demain soir avant 10h. Au nom du Père, du Meuble et du Saint-Esprit, amène les culottes sans pieds. Oui, ben il est en forme, on voit le curé. Le curé est allumé. Okay. Ah, je l'adore. Le curé est allumé. Merci à Patrick Gouk. On va retrouver plus tard au cours de l'émission, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Ouais. Vous êtes dans le bunker. Pourquoi ne pas offrir pour Noël un souper spectacle intime au restaurant Le Monte Carlo? Au menu, vos humoristes préférés, Dominique et Martin, Guy Nantel, Dominique Paquet, François Léveillé et bien plus. Pour tous les détails, visitez lemontecarlo.com. L'autoguidage présenté par Albi le Géant. Albi le Géant, Mazda, Kia, Ford, Lincoln, Hyundai, Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Aujourd'hui de 9h à 21h, en magasin, on vous attend. Comme c'est vendredi, il n'y a pas beaucoup d'affluence sur le réseau routier, ça facilite les déplacements. Mais encore là, avec la température qu'on connaît, surtout au nord de l'île, vous êtes nombreux sur l'autoroute des Laurentides, entre quartiers jusqu'à la rivière des Prairies, également à l'approche de la métropolitaine. La 13 Sud, le volume débute à Saint-Martin. La 640, il y a eu quelques sorties de route. C'est difficile à partir de Ville-Lorraine jusqu'à l'autoroute des Laurentides. Et on a également une sortie de route dans le secteur de Saint-Eustache. Il ne reste que 3 jours pour participer et courir la chance de gagner une carte Vanilla prépayée de 500 ou 1000 $ émise par People Trust. Détails sur vanillaprepaidcard.com. C'est encore drôle, mais c'est déjà les fêtes. Avec Pierre Pagé, Philippe Bande, Anaïs Favron et les 2 minutes du peuple de François Pérusse à la radio de tous les hits. 94.3 Énergie. Il est 6h41 et il y a un fait remarquable dans le Bunker Énergie. Plus il y a de filles qui rentrent dans le Bunker Énergie, moins on voit Philippe Bande près de la table. Il est plus parti que le public. C'est une très bonne chose. Ouais. Tu remarques que j'ai de moins en moins de linge? La météo de fin du monde, s'il vous plaît. Ben oui, il tombe de la slotch ce matin. Un peu de pluie, un petit peu de neige, dépendamment des régions. Ça va être de la pluie cet après-midi, puisqu'on attend des 2 degrés. Il fait en ce moment 1. Hey, je dois vous dire, on a toute une question pour vous ce matin. C'est très drôle. Et j'écoute, j'ai quasiment le goût de la donner tout de suite, mais non, je donne 3 minutes, mais ça concerne la fin du monde, OK? Soyez-y, ce matin, c'est votre dernière chance de... Ah non, j'ai pas le droit. OK, let's go en musique tout de suite, André. On est partis, nous autres, ici, dans le Bunker Energy. Il y a même Ben Cossette qui est ici. On va tous crever. Dinah Crawl et Fela Split sous une feuille de vie vous présentent son tout nouvel album des fêtes. J'ai un dedans, toujours un gland. Ça me l'use et ça me la brasse. Un tout nouvel album où elle interprète plusieurs suctions du temps des réjouissances. Et le pénis se tendit et m'a beurré dans le noir. Je trouve que ton busy weedy vient d'un pas rapide ce soir. Toujours sensuel et parfois même avec suel, Dinah Crawl nous interprète des classiques. Tu... fait brouter par une pute. Quelques chansons amusantes du jour de l'an. Mais qu'est-ce qui se passe? Efface ça. T'es après mettre ton bâton TV avec car. Sans oublier les romantiques ballades américaines de Noël. Alfe, dinde, dinde, son minou. Et les chansons les plus intenses de la belle nuit de Noël. Mais oui, je le tiens. Et me le rend dans la nous. Pourquoi pas quelques folklore dansant? Ah ben, et tit, ah ben, et tit, jouis pas. Dinah Crawl chante les fêtes d'eux, un disque à mettre dans le bas de Noël ou dans le soutien-gorge. Fais une grand gueule, fais une grand gueule, une grand gueule pour avaler. Excusez-moi, moi je l'avais. Ça fait combien de fois? Moi j'en fais à peu près 150 fois, je l'entends puis je la ris encore. Hey, Furlette, faut-tu mettre ça sur un CD pour les fêtes? Ma grand-mère va capoter. Dinah Crawl, oui, François Pérusse. Et vous savez, il y a notre amie Claudine Prévost qui prend vos demandes spéciales le matin, tout ça, et elle est demandée j'imagine. La Dinah Crawl de François Pérusse est demandée par les auditeurs en demande spéciale. Il y a beaucoup de gens sur le Facebook, sur la Radio Énergie qui nous disent où est-ce qu'on peut acheter ça, mais on peut pas l'acheter, on peut aller l'entendre sur radioénergie.ca dans la section François Pérusse. OK, et vous savez que aujourd'hui c'est une journée de fin du monde. Notre Bunker Énergie est en train de se remplir de nos auditeurs et auditrices. D'ailleurs, on vous remercie d'être là. Ils sont pas là pour rien. D'ailleurs, il y a un voyage à la Riviera Maya qui est à gagner avec visite des pyramides Maya là-bas inclus. Donc, un beau voyage qui sera gagné à la fin de l'émission. Mais puisque c'est peut-être notre dernière émission avant que l'on meure tous aujourd'hui,
C'est votre dernière chance de dire une dernière phrase à quelqu'un. Ouch! Quelle serait cette dernière phrase et à qui vous la diriez? Le patron est pas là. Il est là, le patron, il est quelque part. OK, je répète, c'est la fin du monde aujourd'hui et c'est votre dernière chance de dire une dernière phrase à quelqu'un. Hey, c'est-tu dire? On a-tu des choses à dire? Moi, je dirais... attends un petit peu, là. On mange donc de la marde. Non, là, tu sais, à quelqu'un, là. Mais ouais, je peux pas le nommer, malheureusement. Non. Toi, quand tu t'ostines avec quelqu'un depuis des années, tu fais, je vais te le dire, là, j'ai vraiment raison. Puis là, tu sais, je te le dirai la vérité maintenant, vu qu'on va tous crever, là, j'ai raison. Fait qu'à tous ceux à qui je me suis ostiné dans ma vie, j'ai raison. T'as raison. Voilà. Okay. je peux dire, est-ce qu'on se convenait pas de quoi, là? Oui, ben oui, c'est ça, là. On a une dernière chance, ça. C'est une dernière phase. Mais, OK, je me suis déjà touché en passant la femme à Martin Tremblay. Une fois! Mais non! On viendra pas fou avec ça, là! Mais non, mais dans ma vie, c'est plus. Je répète la question ce matin. C'est la fin du monde. C'est votre chance de dire une dernière phrase à quelqu'un. Vous avez entendu Philippe Bande. Est-ce que Philippe, tu pourrais répéter pour le bénéfice uniquement des auditeurs? Non, je peux pas. OK. Je vais le dire pour lui. Je me suis déjà touché en pensant à la femme de Martin Tremblay, mon patron. Céline, je te salue. Et c'est important qu'elle le sache avant. Ben oui. Messagerie texte 61212, Facebook Énergie et également, bien sûr, le 7900-94-3 dans le Bunker Énergie. Let's go! On est parti avec les grandes gueules! Oh ben, hey, Noël, moins que 15 lieux, ça en fait des mulots emballés sur ta dernière. STP, c'est Noël, les petites boules sont toutes swelles. Garde-moi les plus grosses, ou sinon je te casse. Il faut les gâter plus que Santa Claus. Je te swing une chaise d'un genou. C'est de même qu'on fête chez nous. Pardon, nous autres c'est chantier. On est sur party. Et tous les gars dansent sur un madrier. Ah, ça coche. Me voilà qui crouse la fée des glaces. Dans mes shorts, j'ai caché sans foulard. Hey, regarde-le. Wow, mais c'est des beaux patins à glace. Sont-tu neuf parce que je trouve qu'ils sont forts? J'ai rasé mes clochettes pour que Mika me trouve coquette. Wow. Moi je vais célébrer les amis copains à la ligne de fin des carabins. Et bien, bon. Bonjour à tous, ici Gérald Tremblay. Qu'est-ce qui se passe là? Hein? J'entends chanter, ça danse partout. On me dit un souper du réveillon? J'ai jamais entendu parler de ça, un souper. Hein, tu... Avez-vous des preuves? Devinez ce que je pense pour le réveillon. Un rôti de palette comme de raison. Le butternet. À Noël, nous, on n'est jamais gâtés. C'est normal puisqu'il faut en parler. Ma Rolande trouve la neige belle. Comme cadeau, j'y achète une pelle. Je chante avec Birdie et chante à Lucy. J'ai vu ma bande assez crosby. Salut, c'est Micheline Langtio. Noël en prison, c'est pareil comme à l'extérieur. Sauf qu'au lieu d'avoir juste une matante cochonne, il y en a 125, c'est la procédure. Salut, c'est Maurice Louis. Moi, je m'en vais à l'église voir la chanteuse acadienne Lisa Leblanc. C'est elle qui chante Minuit chrétien, c'est de la marde. Yagriac. Vendredi 21 décembre 2012, lorsque le soleil se lèvera, ce sera alors le début de fin du monde. La fin du monde, c'est encore drôle. 94.3 Énergie. Dans l'ouest de l'île, pour le pont de l'île aux Tourtes, c'est facile. Même chose sur la transcanadienne pour entrer à Montréal. La 20 en provenance de Dorval, il n'y a presque pas d'entrave. Là. Et si vous circulez sur les traversées de la rive sud vers Montréal, c'est facile. À Laval, c'est autre chose. On vous voit plus nombreux pour le pont Pinot et le pont Papineau. L'autoroute des Laurentides, c'est intermittent à partir de Saint-Martin jusqu'à la métropolitaine. Et la 13, c'est toute la longueur dans le secteur de Laval. Des prix imbattables, c'est ce que vous obtenez durant la grande vente après Noël d'Economax. Obtenez un réfrigérateur 18 pieds cubes à seulement $399. Economax, les meubles à prix d'entrepôt dans un décor d'entrepôt. Avenir, un autre hit. Ah, ben ça, selon mon fils, c'est la plus belle chanson de Noël qui existe. Ah, ben oui. À
Happy Christmas. John Lennon, 1971. Ça s'en vient dans quelques instants. Et Mike Gauthier est en congé ce matin. Hey. C'est Anaïs qui va prendre la relève avec le showbiz dans quelques secondes. Hey, ça va être mauvais. Pour l'instant, on s'en va tout de suite aux actualités en cette journée de fin du monde avec notre nouvelliste préféré, Étienne Phoenix. Merci Pierre. Il y a plusieurs chanceux qui n'ont pas d'école ce matin. Je vous donne la liste officielle. Commission scolaire des Laurentides, des Affluents, Pierre Neveu, des Samars, Wilfrid Laurier, de la Rivière-du-Nord et Seigneurie des Mille-Îles. Faut pas confondre cette dernière avec une autre de nom similaire. Le Collège de l'Assomption est également fermé, de même que l'Académie La Fontaine, Antoine Manceau, Esther Blondin, François Labelle et Laurentienne. Pour la liste complète, je vous invite à consulter la section Urgence Neige du radioénergie.ca. Okay, et si vous devez prendre l'avion, attendez un petit peu, Pierre, contactez votre transporteur parce que on me rapporte des annulations encore, des retards à l'aéroport Trudeau. Oui, Pierre. OK, si je comprends bien, c'est la Rive-Nord qui est touchée et également l'Est. Oui, effectivement, secteur de Lanaudière. Okay. Puisqu'on est dans Lanaudière, les citoyens du petit village de l'Épiphanie, ça c'est près de Joliette, s'inquiètent encore ce matin l'idée que Guy Turcotte, oui, aurait aménagé dans le secteur. L'ex-cactiologue qui a tué ses deux enfants aurait été aperçu dans le petit village ces derniers jours. Il y a même une résidente qui porte le même nom de famille que Turcotte, Maryse Turcotte, qui, elle, a pas été chanceuse. Il y a des rumeurs qui ont été lancées à l'effet qu'elle hébergeait Turcotte chez elle. Oui, elle a porté plainte à la police. Je lui ai parlé. On l'écoute. Plein de journalistes, plein de gens qui passent devant chez moi puis qui regardent. Non, je n'héberge pas Guy Turcotte et je ne le connais pas. Je suis comme tout le monde. Je sais ce qu'il a fait avec les médias, mais il est aucunement relié à moi. Et le 21 décembre, c'est une date importante. C'est la journée mondiale de l'orgasme. Elle a été créée. Ben bienvenue dans le Bunker Energy, tout le monde. Ah oui, c'est aujourd'hui. Je pense que j'ai rien d'autre à dire. Écoute, Étienne, je suis persuadé que tu allais dire plus de détails sur le radioénergie.ca. Barre oblique info. OK, ne pas oublier de la barre oblique à cette journée du fantasme. De l'orgasme, pardon. Salut. La même affaire. Bye bye. À tantôt. Bye bye. John Lennon s'en vient, la météo d'Anaïs. Eh ben là, j'ai ma taupe Marie-Ève Harvey sur le Facebook d'Énergie qui nous dit qu'à Terrebonne, c'est la tempête. Il y a déjà plus de 5 cm de tombée. Donc, à l'extérieur de Montréal, il y a de la neige, mais ici, c'est de la pluie et c'est de la pluie mélangée avec de la neige. Ça va être ça ce matin et que de la pluie cet après-midi. On attend 3 degrés, il fait en ce moment 1. OK, Martin Lemay. Je rappelle qu'on est au 97e jour du lockout, Pierre, et que les joueurs ont perdu en salaire plus de 666 millions. Tu sais, quand t'es à l'aise, là. 666 millions. Mais il va falloir, tu sais, il y a des gars là-dedans là, que le 500 000 $ par année, ils rattraperont jamais ça de leur vie, là. Ah, puis le 7 millions non plus, ils rattraperont pas. Non. Les matchs ont été annulés jusqu'au 14 janvier prochain. Ça ressemble pas mal à une date butoir, si tu veux, avoir un camp d'entraînement de 10 jours. C'est-à-dire que d'ici au 4 janvier, il faut que tu t'entendes. Dans la NFL, en fin de semaine, c'est l'avant-dernier week-end. Il y a des gros matchs à suivre. Oui, si hein? Les Bengals de Cincinnati battent les Steelers de Pittsburgh, c'est fini pour les Steelers. Okay. Ils sont éliminés de la course aux séries. On surveille également les Giants qui affrontent les Ravens de Baltimore. Les Giants se battent également pour une place en série. Ils vont pas Et Alex Galchenyuk, le dernier premier choix du Canadien de Montréal, moi qui vois, lui. Joue pour l'équipe américaine. Il y a le numéro 15. Et si jamais... Ça arrivera pas. Mais si jamais il y avait du hockey, Marc Bergevin le laisserait terminer le tournoi en Russie. En Russie, Mais là, ça sent pas bon le hockey, là. Non. Moi, j'ai hâte d'arriver au IGA dans 2-3 ans puis de voir Scott Gomez me demander sac en papier ou sac en plastique. Je vois tellement triper, là. Je laisse pas encore de titre. Je suis sûr que même là-dedans, il est pas bon. Ah, là, il est pas capable de mettre tes affaires dans le sac. Non. Il met le mou en dessous puis le solide, c'est dans il est pas encore. Starte-moi pas sur Gomez. Bon, et là, sérieux, vous savez, la tragédie du Connecticut qui est arrivée la semaine dernière, ça a répercussions. On se rappelle que Keisha, sa chanson Die Young, a été retirée des ondes radio. Mais là, c'est au tour de la chanson Pump Up the Kick de Foster for the People. Parce que là, c'est l'histoire dans cette chanson-là d'un enfant qui parle de commettre un meurtre. Fait que tous les textes, mais tu sais, les textes ont été écrits longtemps d'avance. Ils n'ont pas fait exprès, ces gens-là. Mais comme ça se ramasse là, là, on doit retirer parce que ça fait penser. Puis on n'aime pas contexte, ça. Le contexte. Mais exactement. Donc, Me Too aussi, Bye Bye Mon Cowboy, ça devrait être retiré très bientôt. Oui, à cause du chanteur. On vole aussi. Oui, on vole. Mais du côté des bonnes nouvelles, pas pour les mêmes raisons, c'est juste que... On est rendu là, on dit n'importe quoi, on va mourir bientôt. Vous pourriez aller voir Muse à New York sur les airs de Porter Airlines et écouter Phil Brent sur sa hit list ce soir à 18h au vous envoler pour le Madison Square Garden. Parfait. Merci beaucoup, Anaïs. Il est 7h exactement. La fin du monde, c'est aujourd'hui que ça se passe. D'ailleurs, l'émission que vous écoutez, c'est encore drôle, vous parvient en direct du Bunker Énergie. Oui, notre bunker qui est plein à capacité. Et on a même des animaux en studio. D'ailleurs, on a une poule qui a déjà pondu un œuf. On va survivre, hein? Non, on devrait survivre, nous autres. Pierre, je vais donner un exemple pour les auditeurs. OK, parfait.
La question aujourd'hui, question fin du monde, c'est votre chance de dire une dernière phrase à quelqu'un. Philippe. En fait, j'ai jamais dit, mais pour 11$, j'ai accepté de toucher le pénis à Furlat. Oh, il y a comme un vrai. Hey. 11$. Ah, pour, mais ouais, pas, pourquoi 11$? Ben, c'est tout ce qu'il y avait dans ses poches. Ah, OK. 10, c'est clairement non, mais non. 11, okay. 11, j'ai 20 ans, tu me tentes. OK, c'est votre chance de dire une dernière phrase à quelqu'un. Peut-être lui dire les quatre vérités, là. Oui, oui, c'est, oui. C'est votre dernière chance. Mais même si vous aimez quelqu'un, c'est le temps. C'est le temps, OK. Après, John Lennon ici sur Énergie. Let's go! Passe un joyeux Noël et une bonne année. La radio de tous les hits. Énergie. John Lennon, Happy Christmas, qu'on vient d'entendre dans le Bunker Énergie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. En cette journée de fin du monde, alors que l'on a nos beaux auditeurs et auditrices Énergie qui sont avec nous autres et qui nous font confiance pour sauver leur vie. Ah, ça, c'est un geste chaleureux de leur part. Et pour les remercier, si on sauve tout le monde, ben il y a une personne là-dedans qui va gagner un voyage pour deux du côté du Mexique avec visite des pyramides mayas. Ça va être le fun de voir les gagnants ici en direct. Ouais, ouais, on va faire ça ce matin. Ben, ce matin, on va faire ça ce midi parce qu'il faut se rendre au moins jusqu'à midi 21. OK? Vous le dites tout de suite, vous êtes avec nous autres jusqu'à midi 21, mes amis. On défonce! Okay, oui, oui, on défonce ce matin. La fin du monde, c'est votre chance aujourd'hui de dire une dernière phrase à quelqu'un. Une vérité. Philippe Bang fait son apparition avec un casque de l'armée canadienne sur la tête et des lunettes de protection. Ça sent la fin, Pierrot. Ça sent la fin. Ouais. Écoute, Philippe, Anaïs, on nous dit qu'au téléphone, Philo Lirette lui-même voudrait nous parler. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe, Philo. Philo, t'es là? Je suis présent, oui, Pierre. Oui, alors, est-ce que t'es toujours... Philo, question importante, est-ce que tu es toujours en vie à l'heure où on se parle? Actuellement, je roule sur la 132, un peu plus vite que la vitesse permise pour me diriger vers le bunker avec Phil Branch, parce qu'on veut survivre, justement. On devrait être là pour se parler avec lui. Ah, mais écoute, c'est tout à fait merveilleux de savoir ça. La seule mauvaise nouvelle là-dedans, c'est que tu es bel et bien accompagné de Phil Branch. Ouais, ouais, et j'entends tout ce que tu dis parce qu'on est sur le Bluetooth dans la voiture. Ah, ben écoute, donc il peut nous parler, Phil, là. Ben, bon matin. Oui, ben bon matin, mais c'est tes enfants qui doivent être contents de savoir que tu n'es pas là, donc c'est une bonne nouvelle pour eux. Ça commence bien la journée. Ouais, c'est un beau matin. Un beau matin. Mais il y a tellement plus de place dans le bunker. Non, ils rentrent pas ici, eux autres, là. Ben là. Écoute, on va au moins leur donner la chance, et ils s'en viennent. On va leur donner une chance, on va leur faire une petite place. Okay, mais là, Philo, est-ce que t'as peut-être une dernière phrase que t'aimerais dire à quelqu'un, toi? Je veux annoncer à ma tendre et douce maman que dans le passé, elle a dû payer une ambulance pour moi pour absolument rien parce que j'ai fakeé dans ma classe de géographie que j'avais eu un accident, que je me suis fracassé le crâne au sol en m'assoyant sur une chaise. J'ai mobilisé l'école au grand complet. Les ambulanciers sont venus à l'école et je suis reparti en ambulance. On m'a diagnostiqué une commotion cérébrale et ce n'était même pas vrai. Ma mère a payé l'ambulance pour rien. Maman, je t'aime et merci d'avoir payé. Ah, puis là, tu y avais jamais dit. Tu y dis à matin, là. Tu peux rentrer. Tu peux rentrer. Toi, tu rentres, mais Branch, fuck off. Attends, on va lui donner la chance aussi à Phil Branch. Okay, Phil Branch. Branch, as-tu quelque chose à dire, une dernière phrase avant de mourir? Ouais, moi, c'est une phrase à téléphone. Cet été, tu m'as donné les billets pour aller voir ton show à Saint-Thérèse. Oui. Malheureusement, je suis jamais allé. Oh, mon chien! Et quand je t'ai vu au tournoi de golf, c'est que tu t'avais aimé ton show. Ah! Mais quel crosseur! Une raison de plus! Hey, tu rentres tellement pas ici! Ah! Hey, mais, hey, lui, il va être obligé de pelleter avant de rentrer! Mais, hey, dis-moi au moins que t'as vendu les billets! Ben là, il est dans mon nom! Ah! Hey, les gars, vous êtes fantastiques! On vous attend! C'est écœurant! Hey, écoute, on va aller en musique, OK? On a Imagine Dragons. Il y a du staff d'énergie qui s'en viennent sauver leur peau dans notre bunker énergie. Et on continue avec vos phrases ici dans la fin du monde énergie bunker! La météo présentée par Volkswagen. Petit prix, grande nouvelle. Pour un temps limité, louez la Jetta 2013 à partir de $168 par mois pour 36 mois, zéro à compte et première mensualité. En doute, c'est un bon prix, ça. Pensez-y, les amis. Ah, il est mon d'atteindre un petit peu. OK, dans le Bunker Énergie, 7h12 exactement.
Aujourd'hui, notre question est la suivante. Vous le savez, nous, d'ici midi 21, nous devrions normalement, selon les Mayas, mourir. Donc, c'est la fin du monde. C'est votre chance de dire une dernière phrase à quelqu'un. Et nous allons procéder par la messagerie texte, le Facebook Énergie également. Et le numéro de téléphone, 790-094-3, si vous avez des bonnes histoires, des bonnes choses à nous dire ce matin. Gênez-vous pas, Anaïs. Et on en a de la messagerie texte. Attendez que je vous raconte ça. Là, j'ai une taupe à Chambly qui me dit que là-bas, il n'y a pas de neige ni de pluie. Alors, Ça semble bien aller pour le moment à Chambly. C'est peut-être là qu'il faut aller se réfugier. Parce que ça a l'air qu'à Terrebonne, il faut faire très, très, très attention. Ça glisse. Il y a des sorties de route là-bas. Mais à Chambly, je me réfugierais bien là, moi. C'est tellement beau, ce coin-là. Le Jackie's à Chambly. Oui, mais tu sais, dans le bassin, il y a des maisons magnifiques à Chambly. Il faut aller chez Ricardo. C'est de la neige et mêlée avec de la pluie aujourd'hui. Puis ça va se transformer en pluie pour l'après-midi. On attend 2 degrés en ce moment. Il fait 1. Anaïs, tu nous as dit que la messagerie texte ce matin, parce qu'on doit vous dire que dans le Bunker Énergie, Philippe et moi sommes actuellement privés. On est au minimum au niveau technologique parce qu'on n'a pas des messageries textes pour tout le monde. Donc, Anaïs Favron, tu as le contrôle. Ça veut dire que j'ai de la job pour trois personnes. C'est ça. Alors, il y a Suzanne qui dit à Gary, tu sais pas ce que t'as manqué. Oh! Alors, on n'a pas de nom de famille, non? Non, tu sais, sur la messagerie texte, il y a un peu ça. Il y a beaucoup d'anonymes aussi. Il y a, entre autres, un anonyme qui dit, je dirais à mon amie Josiane que je l'aime depuis des années et que j'ai jamais eu le courage de lui dire. Okay. Oh. Alors, si tu t'appelles Josiane et que tu nous écoutes, fais le tour de tes amis, rien que pour voir. T'sais? Non, mais c'est dur, pareil. Pense-y 2 secondes, là. Il a jamais dit. Oui, mais c'est difficile, ça, parce qu'on se dit, est-ce qu'on pourrait perdre cette amitié? On en a déjà parlé dans le jardin d'Anaïs. Ouais, je sais, mais tu pourrais gagner un amoureux. Ou une amoureuse? Oui, c'est sûr. Alors nous, on l'encourage. Okay. Si il meurt pas aujourd'hui, appelle Josiane puis dis-y donc. Absolument. OK? J'ai quelqu'un de moins gentil qui dit, je dirais à ma belle-mère de lâcher le BS et qu'elle s'en aille, on serait mieux sans elle. Oh! Ça a le mérite d'être clair aussi. Oui. Et mon plus drôle, c'est quelqu'un qui, dans la honte, a envie de se vider l'esprit et qui dit, j'ai déjà mangé du caca. Je le sais pas comment. C'était par terre, je l'ai ramassé, j'étais trop curieux, j'y ai goûté et ça goûte ce que ça sent, j'ai honte et c'est pour ça que j'en ai jamais parlé. Pendant qu'on est là, je peux-tu en faire une seule avec un autre téléphone? C'est moi qui ai rasé le sourcil de mon ami Alex à Gatineau pendant qu'il dormait. Ah, t'as fait ça! On était 4 amis, on était allés faire dodo chez eux, puis on dormait dans le salon, puis ça, mais ça te donnait quoi de faire ça? Oui, mais on a beaucoup ri, disons. Niaiseux. Il s'est levé le lendemain, il y avait un sourcil, là, on a ri comme ça se peut. OK, c'est la fin du monde, c'est votre chance de dire une dernière phrase à quelqu'un. Pierre Fréchette est au téléphone. Allô, Pierre? Salut! Salut! Alors toi, qu'est-ce que tu veux dire à quelqu'un de juste avant de mourir, là? Ah, ben, mon ex, je m'en vais finaliser mon divorce aujourd'hui. Oui? J'ai bien hâte que ça finisse. Ah! Ben, c'est aujourd'hui que ça se passe. C'est quand même pas pire, là. Ouais, mais... Tu vas voir mourir la tête tranquille, c'est bon. Ouais, ben écoutez, la tête légère et le compte de banque aussi. C'est pas mal vite, celle-là. Ouais, hey, mon Pierre, on te souhaite bonne chance pour la suite si on survit, bien sûr, à cette journée fatidique du 21 décembre. Salut, Pierre. Pas trop, merci. Bye-bye. La question est... C'est votre chance de dire une dernière phrase à quelqu'un. Moi, j'aimerais dire quelque chose à un compagnon de travail. Oh. Il s'agit de Benoît Cossette. Oh. Oh là là. Oh là là. Benoît, je t'ai toujours agacé avec ton sourire. Tu te fais sécher les dents, je suis jaloux de tes dents, tabarnouche! Non, on va te le dire un matin. Ça fait 3 ans que je te connais. Pis je prendrais pas l'ensemble de l'œuvre parce que tu parais pas très bien. Mais tes dents! T'as des belles dents! Bon! J'ai un message sur la messagerie texte pour Philippe Bande. C'est Sabrina qui dit, je veux dire à Philippe Bande, merci d'être toi, merci d'exister, merci d'être mon idole, je t'aime. Puis il y a Marc-Étienne qui lui écrit, Anaïs, veux-tu m'épouser? Ben, viens-t'en, c'est ta chance aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai plus de critères. Non, trop tard. Shotgun sur Anaïs. Okay. Et moi, là, peut-être une dernière chose. Oui. Je veux dire tout simplement ceci. 5 avril, Centre Bell. Ne manquez pas le spectacle de Philippe Bande. C'est une excellente idée cadeau. Et je salue Jacques Aubé et toute l'équipe de Venco.ca. OK, on s'en va de ça, musique, déjà, nous autres? Déjà? Ah, ben, Colin, merci beaucoup de nous écouter. Les News City, ils sont là et vous êtes dans le Bunker NRJ. Le bunker le plus fou à Montréal. Énergie, prêt à repeupler la planète. Le monde...
tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. La fin du monde, c'est encore drôle. 94.3 Énergie. Énergie. Il est 7h21. Pink s'en vient en musique dans quelques instants. Et manquez pas la bande à bande du vendredi. Peut-être la dernière bande à bande à travers le monde. Oui, c'est la fin du monde dans quelques minutes. C'est des jokes de Noël. Oh, hein? des jokes de fin du monde et de Noël. Oh, et de Noël. Une de Noël, une de fin du monde. Okay. Des petits bijoux. OK, parfait. Manquez pas ça dans les prochaines minutes. Et pour l'instant, on va tout de suite s'informer ce qui se passe à travers le monde avec Étienne Phoenix. On a de nombreuses fermetures d'écoles Pierre dans le nord et à l'est de Montréal. Commission scolaire des Laurentides, des affluents, Pierre-Neveu, des Samar, Wilfrid Laurier et la Rivière du Nord, de même que la Seigneurie des Mille-Îles, s'est fermée. Même chose pour le Collège de l'Assomption, l'Académie Lafontaine, Antoine Manceau, Esther Blondin, François Labelle et Laurentienne. Je vous invite bien sûr à consulter la section Urgence Neige du radioénergie.ca. La vraie fin du monde, c'est dans les hôpitaux que ça se passe depuis quelques jours. Les urgences qui débordent carrément en raison de la hausse des cas de grippe de 55% et de gastro de 22%. Il est fortement conseillé d'utiliser la ligne InfoSanté et le service d'ambulance Urgence Santé ici à Montréal est aussi congé. Ça n'a rien à voir avec les moyens de pression, nous dit-on. Une minute de silence sera observée ce matin aux États-Unis à la mémoire de ces victimes de la fusillade de Newtown au Connecticut. Elle va se tenir à 9h30, heure vers laquelle le tireur fou est entré dans l'école pour enlever la vie à 27 personnes, dont 20 enfants. C'est aussi la journée choisie par le puissant lobby des armes, la NRA, pour se faire entendre. Il y aura point de presse un peu plus tard cet avant-midi. Si vous comptiez payer vos cadeaux de Noël avec vos bouteilles vides, oubliez ça. Le gouvernement marois qui annule la promesse des libéraux pour le moment. La consigne sur les bouteilles reste à 5 cents. 10% des Canadiens croient à la fin du monde, selon un sondage. La ligne InfoSec est débordée d'appels depuis quelques heures. Selon le psychoéducateur de l'Université de Montréal, Serge Delarivé, les membres de secte sont particulièrement vulnérables à ces fausses prédictions. Les faire changer d'idée, c'est presque impossible. Et quand ils ont convaincu, il n'y a aucun fait dans la réalité qui est assez fort pour les faire changer d'idée. Et si vous voulez vous venger sur les Mayas qui ont fait cette prédiction, j'ai mis le jeu en ligne sur le radioénergie.ca, donc amusez-vous. OK, merci beaucoup Étienne. Et concernant les prédictions de fin du monde, Étienne, on me dit qu'on doit se diriger immédiatement vers le Mexique, où on a une collaboratrice qui est sur place pour nous dire l'état des choses, l'état de la situation. Chloé Boissonneau d'Énergie est là, donc écoutons son reportage. Bon matin Pierre, Anaïs, Philippe, c'est Chloé Boissonneau en direct du Mexique. Et oui, dans mon contrat, quand j'écris à Énergie, ça disait toute autre tâche connecte. Alors, je me transforme en reporter. Je me suis levée très, très tôt ce matin, avant le lever du soleil. Et on a pris la route vers les pyramides de Chichen Itza. Tout va bien jusqu'à présent. On est arrivé sur le site. C'est sûr qu'il y a quand même pas mal de personnes qui sont là pour voir qu'est-ce qui va se passer. Tout se déroule dans le calme. Le soleil a pointé ses premiers rayons, donc on peut dire vraiment que le soleil est levé. Et visiblement, je suis encore vivante, les gens autour de moi aussi. Alors, la fin du monde n'est pas arrivée bon. Au moment où je vous parle. Okay. Alors, je reste ici pour quelques heures, quelques minutes en fait, et je vais reprendre la route de l'hôtel vers mon tout inclus et mes drinks qui m'attendent si Dieu le veut. Mais n'hésitez pas à me rappeler s'il y a quoi que ce soit, mais je vous confirme qu'à l'heure actuelle, au Mexique, la fin du monde n'est toujours pas arrivée, la gang. Bon, ben merci, Chloé Boissonneau, en direct du Mexique à 7h24. Oui. On vous confirme, le Mexique existe toujours, de même que le reste de la planète. Et d'ailleurs, du côté nature, elle est toujours vivante, nature. Oui, je vous le confirme. Il n'y a pas encore de fin du monde ici. On est encore là, j'ai besoin de le dire, tu sais, pas juste avec ma voix. Mais c'est de la neige qui tombe, parfois de la slotch, parfois de la pluie, selon les régions. Il va faire au-dessus de zéro aujourd'hui, donc ça devrait être de la pluie toute l'après-midi. On attend des 2 degrés maximum, il fait déjà 1. OK, Martin. La seule bonne nouvelle dans la fin du monde, Pierre, c'est la fin du lockout. Hein? S'il y a plus de monde, il n'y a plus de lockout, puis on n'entend plus parler de ces millionnaires pourris qui sont en train de perdre 666 millions en ce jour 97 du lockout. Ouais, c'est de la grosse argent. Hey, ta maman vient de t'envoyer un beau petit message. Oui, elle dit, je sais pas si tu vas voir revenir à Sainte-Adèle parce que nous sommes ensevelis sous la neige. C'est affreux, mais je voulais te dire que je t'aime. C'est incroyable. Quelle mère exceptionnelle. Moi aussi, maman. Hey, merci beaucoup de nous écouter ici sur Énergie. J'aimerais vous dire que dans quelques instants, vous allez avoir votre Philippe Bande. Peut-être pour une dernière fois, donc profitez-en. Mettez du son en masse. Il va faire ses jokes des cartes devant public. Avez-vous hâte? Oui! Dans le Bunker Énergie, ici. On est là, nous autres, jusqu'à midi 21 minimum. Hein, jusqu'à la fin du monde. Si... Après ça, ben là, on va s'en aller. Là. On décroche là. Qu'est-ce que c'est là? Fin du monde. Pas fin du monde quand même. Et du bon, ça c'est Pink qu'on vient d'entendre. Tout est énergie.
dans cette grande journée de fin du monde. Alors qu'on est en sécurité dans le Bunker Énergie, nous tenons à saluer les gens de Poney, en fait, qui nous ont fourni lapins et poules ce matin pour pouvoir manger si, bien sûr, on meurt là dans les prochaines minutes, dans les prochaines heures. Oui, parce qu'à un moment donné, des bines, on a fait le tour. Puis, oui, et Dieu sait qu'on en a. On a de la soupe habitant et des bines et Clark. On salue Monsieur Clark, d'ailleurs. On va chauffer au gaz. Oh, gag take-out devant le déjà un premier gag! Je suis réchauffé. Et ça sera mon premier gag take-out devant le public et surtout devant mes amis Phil Branch et Philo Lirette. Là, je suis nerveux. Là. Ça rend nerveux. Et Colin, pas à peu près. Et les auditeurs, auditrices qui sont dans le bunker, vous allez voir une grande première mondiale. Absolument. Donc, joke take-out dans quelques minutes. Mais juste avant, question que tu te concentres comme faut. OK, je te le répète et je te le dirai jamais assez, Philippe. J'aime ta grand-mère. Ah oui! OK. Mon nom est Philippe Bond. B-O-N-D. C'est mon vrai nom. La bande à Bond. Je peux vous servir? Je vais te prendre une joke take-out. Take-out. La joke take-out. La joke take-out. Oh yeah! Surprise Bunny! Pour la première fois devant public! Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici Pierre Fagé, je suis fier de vous présenter l'humoriste de l'année 2012, Monsieur Philippe Bar! Ah oui! OK! Hey, merci Burette pour le Jive Bunny, là, je suis en feu. OK! Mon premier gag sera un gag de Noël. Il n'y a pas d'avertissement parental. Non, c'est ouvert à tous. Exactement. Oui, je ne sais pas si elle va avoir des enfants puis tout ça. Fait que premier gag, c'est un gag de Noël. Deuxième sera un gag de fin du monde. OK. Alors, c'est le jeune. Il arrive au bureau de poste au village, puis là, il est le 21 décembre. T'sais, il arrive au bureau de poste, puis il dit bonjour, et dit, je m'en viens chercher mon colis, t'sais, mon paquet. Okay. Fait que la femme a dit, OK, elle dit, c'est à quel nom? Ben, il dit, Jérémy Duguay. Fait que, OK, donne le paquet. C'est une boîte qui est enveloppée avec un chou, tout ça, puis un ruban, tout ça, une belle boîte. Fait que là, la femme a dit, ah, c'est un cadeau de Noël de tes parents, j'imagine. Elle dit, oui, c'est mes parents, mais c'est pas un cadeau de Noël. Il dit, c'est ma fête. Et je suis né le 21 décembre, c'est ma fête aujourd'hui. Ah, elle dit, OK, elle dit, quel âge as-tu? Il dit, j'ai 24 ans. Ah, ben, bonne fête. Fait qu'il développe son cadeau, tout ça. Là, il voit, c'est un foulard, des mitaines, puis une tuque. Fait qu'il met tout ça, puis il part, il dit ça à la fille à la poste, puis il s'en va à l'arrêt d'autobus. Il arrive à l'arrêt d'autobus, puis Anaïs Favron, elle arrive à côté. Anaïs, elle la regarde. Qu'est-ce qu'elle fait dans un gag? J'ai aucune idée. Anaïs, elle regarde le jeune, puis elle fait Ça serait pas ta fête, toi, par hasard? Le gars, il fait hein? Oui, il dit comment ça, c'est ça? Anaïs, elle dit j'ai un don. Elle dit moi, je devine les fêtes. Elle dit même qu'en tâtant tes testicules, je suis capable de savoir quel âge tu as. Ah, ça, c'est vrai. Fait que là, le jeune, il fait... Le jeune fait... Ah ouais, mais là, il dit, je sais pas, là. Elle dit, veux-tu que je te dise ton âge? Mais là, il dit, c'est parce que là, on est dans la rue, là, t'es à l'arrêt d'autobus, là. Ouais. Elle dit, gars, il y a personne autour. Elle dit, laisse-moi, je vais te dire ton âge, ouais. Ouais, puis ça la dérange pas. Ben non, ça la dérange pas. Public, pas public. Fait que là, le gars, il fait comme, bah, mais c'est correct. Fait que Manaïs, ça part, puis elle tâte les testicules, puis elle tâte, puis elle est là, puis elle joue avec. Ah ouais, donc elle a du fun, puis elle y tourne dans sa main, puis elle y tourne. Ça fait 5 minutes qu'elle est là, puis elle joue avec ses testicules, puis elle prend un malin plaisir, puis elle joue avec les testicules. Le gars, il fait comme, là, Manaïs, là, Anaïs, tu vas-tu me dire quel âge j'ai? Elle dit, toi, t'as 24 ans. Hein? Il dit, c'est malade, comment t'as fait pour savoir ça? Elle dit, j'étais derrière toi à poste tantôt. Oh! Une excellente joke de tâtage. Oui, de tâtage. Il n'y avait pas d'avertissement parental. Non. J'aurais pu dire bisous de famille. On peut se tâter à tout âge. C'est ça, exactement. Alors, le prochain gag, c'est mon préféré. C'est la fin du monde, OK? Fait que là, tout le monde est mort. Fait que là, tout le monde attend en ligne devant Saint-Pierre, tout ça. Fait que le gars, il arrive devant Saint-Pierre. Saint-Pierre, le regarde, dis-toi, t'en vas en enfer. Le gars, arrête, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il dit, tu sais ce que t'as fait. Ah ouais, t'as péché. Va-t'en en enfer. Le gars, il est tout déprimé. Il arrive en enfer, puis là, il est là dans son coin, puis il est triste, puis il broye. Mais Satan, il arrive à côté. Satan, il fait, voyons, non, il dit, qu'est-ce que t'as broyé? Et là, il dit, je t'en enfer, tout ça. Mais voyons, il dit, mais pourquoi tu broyes? Il dit, tu fumes-tu, toi? Le gars, il fait, ouais, quoi rapport, mais il dit, c'est les lundis, là, on fume. On fume la cigarette, on fume le cigare, on s'en fout, on peut pas pogner le cancer du poumon, on est déjà mort. Fait qu'on fume, c'est les lundis fumoirs. OK. Le gars, il fait, OK, mais il dit, tu bois-tu, toi? Le gars, il fait, ouais, je bois, tu sais. Bon, il dit, parfait. Il dit, les mardis, c'est, on boit. Ah! C'est les mardis de beuverie, on boit. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser, c'est de la bière, ah ouais, la vodka, tout le gros kit. Momo! Fait que le Momo, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Le gars, il est tout content.
Fait que là, il dit, tu manges-tu? T'es-tu un gars qui mange pas mal? Ah oui, dis-moi, je mange comme un cochon. Ben, il dit, ça tombe bien. Il dit, les mercredis, on bouffe comme des porcs. On mange du chocolat, puis de sucré, salé. On pas de cholestérol. On s'en fout. On est déjà mort. Le gars, il fait, hey, comment ça aimer ça? Hey, tu drogues-tu, toi? Ah, gars, dis-moi, je me drogue. Ah oui. Il dit, ah, je fais de la coke. Je fais du pot. Je fais tout. Y a rien. Je fais pas. Je fais de l'ecstasy. Ah ouais, donc, Crystal Meth. Ben, c'est les jeudis. C'est les jeux du drogue. Le gars, c'est clair, hein, ça. Hey, dit, t'es-tu gay, toi? Le gars, il fait, non. Ok, Chris, tu t'aimerais pas vendredi. Il y a de bonnes, c'est le fun en temps. Hey, on devrait faire ça tous les vendredis, un bunker. C'est même le fun de ma public. Oui, un petit bunker énergie, c'est le fun en temps, Bardouche. Et ça se poursuit tout de suite dans les prochaines minutes ici à la radio de Toulit. Mon nom est Philippe Baume. B-O-N-D. C'est mon vrai nom. La bande à bande. Tous les matins, 7:37 sur Énergie. L'autoguidage présenté par Albi le Géant. Albi le Géant Mazda, Kia, Ford, Lincoln, Hyundai, Chrysler, Jeep, Dodge et Ram. Aujourd'hui, de 9h à 21h, en magasin, on vous attend. À 7h44, je vous rappelle que la 640 en direction ouest est complètement fermée à la hauteur du chemin des Anglais. On doit circuler sur la voie de service. Il y a un camion qui a fait une sortie de route un petit peu plus tôt. Les traversées de la rive sud, ça va bien pour tous les ponts. Du côté de Laval, un peu de résistance pour les ponts Pineuf et Papineau. L'autoroute des Laurentides, c'est principalement en quartier où on commence à lever le pied. La 13, il y a un bon volume avant la 440 jusqu'à la rivière des Prairies. Dès maintenant, chez Ford, obtenez 7 500 $ en rabais du constructeur, plus 750 $ en rabais du temps des fêtes sur des véhicules sélectionnés seulement chez vos concessionnaires Ford. Pierre Pagé, Philippe Bande, Anaïs Favron et les 2 minutes du peuple de François Pérusse se mettent en mode des fêtes jusqu'à 8h50. 94.3 Énergie. Ouais. Salut. Il est 7h46, on vous a fait une promesse énergie. Les auditeurs, d'ailleurs, qui sont en studio seront, par applaudissement, pourront confirmer dans quelques secondes. On vous a dit qu'on aurait un bunker énergie, qu'on vous sauverait et qu'on aurait des artistes invités. Déjà, on a eu Maya Léa qui a pratiqué tantôt et qui va venir chanter. Ça va être le fun. Version unplug, comme l'a dit Anaïs. Ça s'en vient dans les prochaines minutes. Après le bulletin de 8h, okay, ça va être notre première tour. Nous ferons les... derrière. On va peut-être faire plus, on va partir, regarde. Mais au minimum, on fait les On va jouer du bassin, c'est certain. OK. Allez, s'il vous plaît. Hey, j'ai une taupe à Sainte-Thérèse qui me dit que là-bas, c'est une grosse tempête. Alors, toute la journée, ce matin, neige mêlée de pluie, puis ça sera de la pluie cet après-midi parce qu'on attend 2 degrés, donc ça se réchauffe un peu. C'est doux, hein, pour une fin du monde. Il fait en ce moment 1 degré. OK. Belle surprise également pour vous, les auditeurs, autant dans le bunker énergie qu'à la radio que vous nous écoutez actuellement. Il y a, c'est vrai, à la radio, je vais vous le dire, notre caméra web, hein, ça fonctionne actuellement en streaming. Il n'y a aucun problème. C'est la qualité A1. Vous pouvez donc nous voir actuellement sur le radioénergie.ca. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde est encore habillé, parce que sinon, là, ça serait... c'est fou! Dans les prochaines minutes, message du curé Poirier. Un deuxième message. Un deuxième? Oui. Il y a également François Pérusse qui s'en vient avec sa toute dernière toune, OK? Et l'un de mes favoris, dans la vraie vie, comme un personnage, je parle de José Godet, qui sera là avec son personnage de Demi Lévesque, dans quelques minutes. Et je tiens à le saluer, José Godet, je vais saluer par la même occasion le vrai Denis Lévesque. Oui. Qui nous écoute une fois de temps en temps. Très sympathique. Salut mon Denis, on te remercie de nous écouter. Message du curé Poirier, tout de suite. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi. Mon chemin, c'est toi, Seigneur, oui. C'est toi? Vous voilà tous réunis dans le bunker énergie. Rendons gloire à Jésus qui a multiplié le vin. Après quoi, ses disciples s'aimèrent les uns sur les autres et se rassemblèrent dans un même corps. Jésus, quant à lui, qui fut tenté par le démon, se perdit 40 jours dans l'âne. Au nom du Père, du Meuble et du Saint-Esprit, amen les culottes sont pleines. Mon chemin, c'est toi, Seigneur, oui, c'est toi. Y a-t-il toujours quelqu'un à l'écoute? La fin du monde, c'est encore drôle. Jusqu'à 12h21, live du Bunker Energy. Pagé, Bande, Anaïs Favron et 21 corps de métier prêts à rebâtir la planète. Papa, t'as vu? Qu'est-ce que c'était? 94.3 Énergie.
Noël y arrive à maison. Il enlève toutes sauf ses combinaisons. J'ouvre la petite trappe, c'est moi qui a raison. C'est un des poètes, c'est mon temps. Un Noël porno avec le Père Noël. Père Noël arrive dans les chaumières. Les enfants le pincent avec leur mère. Le Père Noël anglophone, c'est un très vicieux homme. Il est toujours au sauna, c'est pour ça qu'on le surnomme. Sauna Claus is coming to town. Sur son visage. Puis tu frottes les hanches avec la bouffe du réveillon. Les hanches dans le body de campagne. Le 31 au soir, on a la langue sortie. Ouvre la bouche, on perd le pain, dans le jour de langue. Quand tu fais des perversités, t'es un pervers. Quand tu fais rien que tortiller, t'es une tortière. T'as pointu? Personnellement, je l'aurais tué. Oh, ça, c'est moi. Bonsoir tout le monde. Ici Denis Lévesque, il y a une peignure de petit bonhomme Lego, des lunettes de Père Noël, puis une voix de cochonne. Ah! C'est dur à saisir, hein? Ben, c'est pas banal. C'est pas mais banal. Non, mais non, pas banal. Alors, sur une note personnelle, avant de commencer, je veux dire à ma femme d'arrêter de m'envoyer acheter du canestin. Hein? Déjà que j'ai des petites mains de princesse, c'est faux que la caissière pense que j'ai une sploune en plus. Une sploune! Ouais, il y a des limites à être différent. Ouais, c'est pas banal, c'est pas méchant. Alors maintenant, si le manque de compassion vous fait avancer, allez chercher vos bottes de marche. Parce qu'on devrait finir l'émission dans le bout de Calgary, mesdames, messieurs. Gros, gros show inégal encore ce soir. Inégal. Alors tout d'abord, pour jaser du bye-bye, sans rien dire, on recevra Louis Morissette. Qui évitera mes questions en me répondant des affaires comme « Vous verrez le 31? » Ah, je peux pas vous dévoiler le punch. T'sais, on devrait en apprendre beaucoup et ça sera pas banal. C'est bon, bon. Mais oui, bon, bon. C'est ça qui est bon. Alors, on va aussi jaser avec un collectionneur de pièces de monnaie. Un gros, gros, gros tripeux. Tous les jours, il ramasse de la monnaie. Bon, OK, je l'avoue, c'est un itinérant. Un panier de Noël, mais ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. OK, c'est Babu. On a Babu et on va parler de course et de drift. La course de drift avec Babu. La drift, ça va être bien bon. La grosse drift. C'est une rue. Et ensuite, je reçois cet homme qui va nous parler de son labyrinthe de 50 km carrés de haies de cèdre qui a construit en arrière de son chalet comme ça. Son épouse qui croyait pas du tout en son projet dans ses débuts fut quand même la première à l'essayer. Alors, est-ce que c'est le fun? Est-ce que c'est plate? On le sait pas, jamais ressorti. Et finalement, je suis assis dans un bateau de rafting, c'est parce qu'on va recevoir notre femme Fontaine en studio. Femme Fontaine, hein, on l'a à chaque fois. Il paraît qu'elle vient de perdre son emploi, mais là, j'irai pas jusqu'à dire qu'elle s'est faite slacker parce que... Mais donc, elle l'était avant. Hein? On est d'accord là-dessus. Alors, par chance, elle est bien occupée pendant le temps des fêtes. Elle consomme du cacao, imaginez-vous donc, depuis 2 semaines, pour faire une fontaine de chocolat d'importé. Pas vilain, ça. Mais non. Tu prends une fraise, 2-3 caresses, un petit dip dans le mémène. Hein? Ça pourrait être méchant, mais en tout cas, c'est ça sera pas banal, mesdames, messieurs. Sur ça, passez des belles fêtes. Ben, merci, Demi. Demi, Demi! Numéro 1 au retour. Les Grandes Gueules et Richard Turcotte vous font oublier le trafic avec leur folie. Aujourd'hui, dès 15h.
L'autoguidage à 7h59 minutes. Bonne nouvelle, on a rouvert l'autoroute 640 en direction ouest à la hauteur du chemin des Anglais. Le camion a été déplacé. Là, on nous indique qu'il y a une sortie de route dans les Hautes-Laurentides à Sainte-Adèle, kilomètre 74 sur l'autoroute 15. Il y a un camion qui a fait une mise en portefeuille. L'autoroute est fermée à cette hauteur. Et pour les gens qui circulent de la rive sud vers Montréal, ça va bien. L'autoroute des Laurentides, la 13, il y a un peu de retenue, mais encore là, il n'y a pas de retard majeur ce matin. Sur mention de ce message, Vincent d'Amérique vous offre un rabais de 25 $ sur tout achat de 100 $ et plus. Détail en boutique, Vincent d'Amérique, Abbaye les fêtes, Abbaye les hommes. À venir, un autre hit. C'est pas sage. Yeah, elle s'en vient. Et elle sera live dans 4 minutes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. J'ai rarement vu Pierrot exciter comme ça. Écoute, j'ai mes paroles à côté. Moi, je suis prêt à chanter. Ben oui. On va être fun tantôt, OK? Et là, on va avoir également notre tirage qui s'en vient dans les prochaines minutes. Notre Energy Music Awards, une dernière personne finaliste pour aller à Energy. Il faut répondre Energy à Cannes et après ça, on fait la personne gagnante. Et aussi, François Pérus vers les 8h15. Ça vient du monde, fait que je devrais dire, devrais-tu pas, devrais-tu te dire. Ça vient du monde, fait que je devrais-tu faire toutes les choses j'ai toujours voulu faire dans vie ou je devrais-tu pas aujourd'hui. Oh, on est en train de faire exploser Twitter et Facebook. On poste ce matin, là, les gens aiment ça. On envoie des photos de notre bunker énergie. On a plein de prix qui sont gagnés par nos auditeurs qui sont ici. D'ailleurs, c'est drôle, c'est la physiothérapeute qui a gagné le dernier prix de Philippe Band. Hey, non, il n'y a rien d'arrangé. Je n'avais aucune idée. Ah, je dis ça comme ça. Hey, on va s'informer tout de suite en 94 secondes avec Étienne Phoenix. Ouais, ben c'est pas facile sur les routes ce matin, surtout dans le nord où la neige tombe à plein ciel. Ça provoque plusieurs fermetures d'écoles dans les Laurentides et la Naudière. Je vous invite d'ailleurs à consulter la section Urgence Neige du radioénergie.ca pour avoir la liste complète. À l'aéroport Montréal-Trudeau, ben, il y a des annulations et des retards de vol, surtout pour la Nouvelle-Angleterre. Faut dire que la tempête a perturbé le service à l'aéroport de Chicago hier. Ça tombe mal parce que c'est aujourd'hui la journée la plus achalandée dans les aéroports des États-Unis. Il va falloir reprendre donc les vols qui ont été annulés ces dernières heures. Si vous avez à vous déplacer chez nous, les trains de Via Rail circulent normalement. Vous avez intérêt à renouveler votre passeport avant l'été prochain à partir de juillet. Le coût va passer de 87 à 120 $ pour une durée de 5 ans. Il sera possible de se procurer un passeport valide pour 10 ans pour 160 $. Le suspect qui aurait tenté de kidnapper un enfant de 3 ans dans un parc d'Outremont mercredi a passé sa première nuit en prison. Il sera de retour en cour en janvier. Selon la procureure Sylvie Lemieux, l'homme de 51 ans aurait planifié son geste avant de demander une rançon. On va l'écouter dans un instant. C'était calculé, c'était des recherches sur Internet pour trouver la victime qui, pour lui, serait la victime idéale pour demander une rançon, un gros montant d'argent. Il pourrait y avoir une enquête sur le futur amphithéâtre de Laval, la place Belle. Selon la presse, le gouvernement marois qui a demandé aux vérificateurs d'enquêter sur l'organisme qui est responsable de la gestion de ce dossier. Enfin, on ne sait pas si ça a un lien avec la fin du monde, Pierre, mais des centaines de chèques totalisant un demi-milliard de dollars ont été découverts cette semaine dans une enveloppe placée près du mur des Lamentations à Jérusalem. Je me lamenterais avoir perdu ça, moi. On sait que la tradition juive veut qu'on glisse dans ce mur un papier roulé avec nos vœux et nos espoirs. Faudra voir maintenant si les chèques sont sans fond. Ça arrive, semble-t-il, de ce côté-là, mais pas d'une façon aussi importante. OK, merci beaucoup, Étienne. On se retrouve tantôt à 8h25. On surveille, bien sûr, la fin du monde pour vous aujourd'hui. Mais jusqu'à maintenant, tout se porte très bien. Tout est beau. Dans le bunker énergie. Ça se poursuit à l'extérieur du bunker dans la vraie vie, oui. Anaïs. Ben, dans la vraie vie, il y a quelqu'un de Boisbriand qui m'a écrit sur la messagerie texte pour me dire, ici, 5 minutes il neige, 5 minutes il pleut, 5 minutes c'est du verglas, il y a rien de beau. C'est comme ça, c'est ça qu'on attend aujourd'hui, c'est de la neige mêlée de pluie ce matin et cet après-midi ce sera de la pluie puisqu'on attend 2 degrés en ce moment, il fait 1. Martin Lemay, on est rendu à la journée numéro 97 du Lockout. Exactement, on a annulé les matchs jusqu'au 14 janvier prochain, Pierre, et c'est plus de 463 parties jusqu'à maintenant qui ont été annulées. Et j'en ai parlé tout à l'heure, plus de 666 millions ont été perdus en salaire. On en prendra une petite partie certaine. Oui. Hey, c'est l'avant-dernier week-end à la NFL, des matchs importants. Les Bengals de Cincinnati pourraient éliminer les Steelers de Pittsburgh. Ça serait un drame à Pittsburgh. San Francisco va affronter Seattle. Seattle sont dans la course pour la division, de même que les Giants, les 49ers de San Francisco. Et on veut voir si RG3, Robert Griffin III, va revenir avec les Redskins de Washington face aux Eagles. Hier, ça tweetait un petit peu partout qu'il était en bonne forme. Là. Il pourrait jouer en fin de semaine. Ben, disons qu'eux autres, ils ont deux bons corps comparativement aux Jets de New York, qui n'en ont pas un partout. Okay. Et Canada Junior a perdu 3-2 hier face à la Finlande. Même en reprise, ils ont perdu. OK, merci beaucoup, Martin. Anaïs? Il y a une émission spéciale qui se prépare, si jamais on survit. C'est Phil Branch et Mike Gauthier qui vont animer ça le 31 décembre à midi et le 1er janvier à 9h. C'est le top 50 énergie de tous les temps. Et c'est à vous qu'on demande de choisir ces chansons-là. Allez sur Radio Énergie.
rds.ca pour voter. Il y a plein de chansons là-dessus, dont Mumford & Son, I Will Wait. Qui a été le 11e album le plus populaire et le meilleur album de l'année 2012 au 11e rang selon la revue Rolling Stone. Oui, et on aime beaucoup, ça sonne très bien. Et dans un autre ordre d'idée, vous pouvez aussi voter pour des groupes comme AC/DC et Thunderstruck. Ah. Oh yeah! Farid est avec nous maintenant pour le... Ça va être tout un show. Ça va être mais comme il y en a pour tous les goûts, vous pouvez aussi voter pour What is Love de Hathaway. Oh. La tune de Martin Lemay. Ah, moi, ça vient me chercher. Ah. Martin Lemay danse comme pas un. Ah non, c'est fou. Il travaillait au top à Laval juste pour écouter les tunes. Il est allé au vestiaire. Hey, mais on rappelle, c'est quand ce show-là? Ce show-là, c'est le 31 décembre. OK, faut pas manquer ça. Et Phil Branch qui est avec nous, qui va survivre pour animer ça. Oui. Tu vas être prêt, mon Phil? Parfait. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, de vous dire que c'est avec une certaine fierté. Oui. Oui, oui, parce que aussitôt que je l'ai entendu, la première fois que je l'ai entendu, dans l'émission du matin, j'ai dit, oh! J'ai dit, ça, c'est un hit. OK? Oui, quand j'ai entendu le... Et t'es un peu tombé en amour. Je suis tombé avec en amour avec la tonne, puis avec la fille aussi. Elle est très sympathique. Elle est avec nous et elle est accompagnée de son guitariste. Oui, André qui est là, qui est, écoute, tantôt, il faisait juste les back vocals puis il jouait de la guitare, là. Il était carré. Ça va être hallucinant. Écoute. J'ai hâte. OK. Maya, comment vas-tu? Je vais bien. Tu vas bien? Chanter à cette heure-ci, ça va être correct pour toi, pas de problème. C'est une première fois. Pour moi, oui, mais ça se peut que ça soit aussi la dernière, hein, parce qu'on peut tous mourir, donc il faut y aller. J'en profite, j'y allais fort. Je vous les inviterai, chers auditeurs. Oh yeah. OK, dans le Bunker Énergie et ailleurs, à accueillir chaleureusement Maya Léa! Merci. Alors, on y va? On y va, on procède. 1, 2, 3. Encore la pensée envahie par cette image de toi et moi en train de s'embrasser, dire qu'on ne se connaissait pas avant cette soirée. Et l'autre soir, je suis allée à une fête, j'ai pris une boisson de trop qui m'a fait perdre la tête. Bien assis sur un fauteuil à deux places, c'est là qu'il est arrivé pour envahir mon espace. Il m'a dit, hé, hey, ça va, je lui ai dit, ouais, toi. Et ce fut le coup de foudre. Non, c'est pas vrai, mais je m'en fous. À ce moment précis, c'était l'amour de ma vie. Je lui ai dit, kiss me chérie, avant que je change d'avis. Oh, la nuit dernière, je n'ai pas été sage. Non, j'ai encore la pensée envahie par cette image de toi et moi en train de s'embrasser. Dire qu'on ne se connaissait pas avant cette soirée. Il faut pas me juger, et non, car sur le coup, ça paraissait la bonne chose à faire. Avec ton petit coup et tes drôles de manières, tu avais tout ce qu'il faut pour me plaire. Ouh, ouh, maintenant c'est le lendemain matin, mais je n'arrive plus à me souvenir de rien. C'était quoi déjà son nom? Je ne crois pas qu'on ait même échangé nos numéros, mais je peux le retrouver sur Facebook, ou peut-être que je ne devrais pas, ou c'est peut-être mieux qu'il garde l'anonymat, ou garder ce souvenir en moi, car la nuit dernière, j'ai pas été sage, non, j'ai encore la pensée envahie par cette image de toi et moi en train de s'embrasser, dire qu'on ne se connaissait pas avant cette soirée. Côté fou et tes drôles de manières, tu avais tout ce qu'il faut pour me plaire. Ooh, ooh, kiss me, baby. Ooh, oh, you know you drive me crazy. Ooh, ooh, kiss me, baby.
bien été, hein? Oui, merci, ouais, super. Hey, écoute, merci André également merci. D'avoir accompagné. Plaisir. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était une performance live que vous venez d'entendre dans le Bunker Energy. Oh! Est-ce qu'on est prêt, André Furlatte, pour y aller immédiatement avec notre Energy Music Awards? Yes, une dernière personne finaliste pour notre voyage à Cannes. Si vous répondez Energy à Cannes, vous gagnez tout de suite $94 de hit, incluant les cellules Rihanna, Maroon 5, Hedley, Mumford & Sons, Philip Phillips et Gauthier. Et il y a à gagner dans quelques minutes à peine. Un voyage pour 4 à Cannes pour assister au gala Energy Music Awards, incluant 2 nuitées, vol et 4 billets pour assister au gala. Valeur de $6,000. André, es-tu bon pour composer un petit numéro, s'il vous plaît? Du côté de Ville d'Anjou. OK, on s'en va pas trop loin. On s'en va pas trop loin. Et on s'en va rejoindre une auditrice. Normalement. Et là, il faut qu'elle réponde quoi, les amis? Energy à Cannes! Oh! Ça a marché! Salut Geneviève! Salut! C'est Geneviève Vérébelé, c'est ça? Oui, c'est ça! Hey, je l'ai eu! Bravo, bravo, Pagé! Elle est heureuse! Hey, Geneviève, je suis content pour toi! Oh, écoute! Moi, je suis content! OK. Là, Geneviève, actuellement, on est en train en haut de mettre ton nom sur un petit coupon de participation et on va aller piger. André va piger ça avec Joanie en haut. OK? C'est bon. Parfait. Oui. Fait qu'on te souhaite bonne chance. On va te dire dans les prochaines secondes si c'est toi qui gagne. Laisse-moi le temps d'avoir la communication avec André. OK, on a fini d'inscrire le nom à Geneviève. Parfait. Okay. OK. La pige est faite. Pierrot, ça vaut combien ah, déjà? Geneviève, je suis désolé. Ce n'est pas toi, mais tu viens de gagner $94 de hit quand même. Et on va appeler... On appelle une fille. C'est ça? OK, on appelle une fille. Attends, tu peux je prends le nom en note. Merci. OK. Énergie, je m'en vais à Cannes? Yeah! Yeah! Ah! Allô, Véronique! Véronique Alain! C'est ça? Écoute, Véronique! Bravo! Mais elle est en plein accouchement? Mais non, je pense qu'elle sait que c'est la journée de l'orgasme! Ah oui! Hey, Véronique, t'es contente? Ah! Ça finit bien l'année, mon Dieu! Hey, je comprends! Écoute, ben, avec qui tu t'en vas à Cannes, là? Je m'en vais avec mon copain Yannick, avec mon frère Dominique et mon amie Véronique. Hey, tu sais que tu leur offres un cadeau exceptionnel. Oh oui. Tu vas voir le Energy Music Awards et tout ça pour 2 jours. Sais-tu combien ça vaut? Ça vaut $6,000! Oui. Écoute, on va te souhaiter un merveilleux voyage. Ah, oh, merci à vous, hein. Et moi, ce que j'aimerais, c'est que quand tu vas revenir, là. Appelle-nous! Mm-hmm. Appelle-nous! Oui. Ah, écoute, c'est certain. Écoute. C'est la première fois qu'on prend l'avion. Il y a 3 personnes là-dedans, c'est la première fois qu'on prend l'avion. Non! Non. C'est la première fois, donc on va être vraiment excités, c'est pour ça qu'on va vous rappeler. Mais voyons. Écoute, vous allez capoter. Des fois, il y a des poches d'air, là. Non, pas vrai. Ouais, mais inquiète-toi pas, il y a des sacs à vomir juste en avant. Puis, ça s'est arrivé juste quelques fois que ça ne sont pas rendus à Cannes. Ouais, c'est mais ça. Sinon, là, si tu réussis à aller là-bas, le show va être malade. Tu vas capoter. Hey, okay. Hey, Véronique, merci beaucoup de nous écouter sur Énergie. T'es très gentille, OK? Merci beaucoup à vous, hein. Merci. Véronique Alain, son premier voyage en avion, premier voyage en Europe, elle se dirige à Cannes grâce à Energy. Le bunker le plus fou à Montréal. Energy, prêt à repeupler la planète. Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. La fin du monde, c'est encore drôle. 94.3 Énergie. Énergie. La météo à Énergie, une présentation de Pensez Subaru. Pour toutes les conditions météorologiques, pensez confiance, pensez Subaru. Ah, c'est parce qu'on aime ça. OK, c'est 8h13 dans le bunker Énergie. Vous pouvez nous voir
live sur les caméras web et même voir la magnifique Anaïs ce matin. Elle m'a dit hey, chic pour mourir un matin. Elle, bah, bah, bah. C'est gentil, j'ai mis du mascara pour l'occasion. J'ai des petits messages sur la messagerie texte pour Maya Leia. Il y a plein de gens qui ont écouté et qui nous écrivent que tu as une voix magnifique live. Bravo, merci à Maya et merci à ceux qui nous écoutent. J'ai une taupe à Granby qui me dit que là-bas, il y a que de la pluie en ce moment et qu'on a très hâte à la neige. Ben, ça viendra pas aujourd'hui, la neige, okay. Parce qu'on attend de la pluie cet après-midi, de la slotch ce matin, des maximums de 2, il fait en ce moment 1. OK. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, vous savez que c'est la journée de la fin du monde, une chanson qui représente énormément la fin du monde. Je peux pas croire qu'on va faire jouer ça. On joue... Mais c'est tellement mauvais. La radio des hits. Non, c'est plus la radio des hits, c'est la radio de tous les hits. Oh, ça peut inclure okay. Même les mauvais. J'adore ça. Oh oui, il y avait les cheveux longs, frisés. On remonte les années. Europe, on s'en va des années 80. Et ça s'appelle Final Countdown. Et vous l'écoutez actuellement sur tous les hits à Montréal. Énergie, dans le bunker Énergie. Bonne journée! The Final Countdown sur Énergie dans le Bunker Énergie, juste en cette journée de fin du monde que l'on vous présente ce matin. Et parlant de fin du monde, ça ne sera jamais la fin de François Pérus. Il sera toujours là. Et il est là dans vos oreilles tout de suite sur Énergie. C'est la fin du monde. Fait que je devrais dire, devrais-tu pas? Devrais-tu te dire, c'est la fin du monde? Fait que je devrais-tu faire toutes les choses j'ai toujours voulu faire dans vie ou je devrais-tu pas aujourd'hui? Je devrais-tu aller chez Burks pis dire à madame je veux m'acheter un anneau à 35-40 000$. Oh! Parce que vois-tu, me suis fait faire un piercing dans l'esprit là, allez vous me le mettez si je lâche pas. Je devrais-tu aller dans une boutique de linge pis quand la vendeuse arrive, elle dit voulez-vous quelque chose de particulier? Là j'ai dit, aïe! Je regarde les jeans d'arnaque! Devrais-tu aller chez le beau vitre d'auto pis dire j'peux-tu voir le beau? Le beau y'est pas ici. Bon ben j'peux-tu voir le lettre pis là faire ho 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 ho. J'devrais-tu ou j'devrais-tu pas? J'devrais-tu aller chez le concessionnaire Lamborghini pis dire au vendeur j'vais les prendre toutes, hein? Pis quand qu'il va me dire c'est pour payer comme avec son air abruti, m'a payé avec mon petit bout. Fait que ben c'est culotte. J'devrais-tu aller chez Future Shop pis dire c'est la fin du monde, votre nom veut plus rien dire. Et pis quand il va me répondre tu veux qu'on s'appelle comment? Appelez-vous Future Stop. Pas compliqué, sacrément. Ah. Ou bien on devrait-il juste rester chez nous, chérie, et se jouer après le pop. Si vos nouvelles de fin de soirée. Fin du monde ou pas, c'est toi mon chocolat. Puis fuckle diddle doo le calendrier maya. La radio de tous les hits. Entendu Mumford & Sons dans quelques instants, l'un de mes artistes préférés de tous les temps. Et la même chose pour Philippe Bond et Anaïs. Curry Hart? Non, Paul McCartney. Ah, okay. Paul McCartney avec Wonderful Curry Christmas Art. Darn. A été vraiment niaise. Ah, yeah, pas dormi beaucoup. Ah, ouais, ouais. OK, il est 8h26. On va aller s'informer immédiatement du côté, bien sûr, de notre salle de nouvelles Bunker ce matin. Étienne Félix. Merci, Pierre. On vit notre deuxième tempête cette semaine, la première de l'hiver, puisque la saison froide est officiellement arrivée depuis 6h12 ce matin. C'est pas beau sur les routes, ce qui a amené plusieurs commissions scolaires à fermer les écoles, surtout dans l'Anaudière et les Laurentides. La liste complète est sur le radioénergie.ca, section urgence neige. Si vous le pouvez, évitez les urgences des hôpitaux, ça déborde en raison d'une explosion de cas de grippe de l'ordre de 55% et de gastro de 22%. Chez Urgence Santé aussi, on est débordé d'appels. Et puisqu'on parle des ambulanciers, les négociations, ça reprend ce matin avec le gouvernement marois pour tenter d'éviter une grève qui serait déclenchée la veille de Noël, oui, lundi soir. Du côté du Mexique, les descendants des Mayas célèbrent non pas la fin du monde, mais l'arrivée d'une nouvelle ère. Il y a quand même plusieurs personnes qui croient à travers le monde à la fin du monde, 10% au Canada selon un sondage. Les autorités ont les sectes à l'œil aujourd'hui puisque les membres sont souvent vulnérables aux fausses prédictions. On écoute là-dessus le psychoéducateur de l'Université de Montréal, Serge Larrivé. Les faire changer d'idée, c'est presque impossible. Et quand ils ont convaincu, il n'y a aucun fait dans la réalité qui est assez fort pour les faire changer d'idée.
Une minute de silence sera observée à 9h30 ce matin aux États-Unis à la mémoire des victimes de la fusillade de Newtown au Connecticut. Le puissant lobby des armes, la NRA, va réagir en conférence de presse au cours de l'avant-midi. La navette Soyouz qui transporte l'astronaute canadien Chris Hadfield va s'amarrer à la Station spatiale internationale à 9h12 précisément. Et l'autre heure à surveiller aujourd'hui, c'est 18h47. C'est l'heure à laquelle il faut faire l'amour parce que c'est la journée mondiale de l'orgasme. Oui! C'est à lire sur le radioénergie.ca. La nouvelle se partage comme à une vitesse très folle. Je comprends pas, là. Pourquoi à 18h47? Ben, c'est ce qu'un couple américain a dit pour envoyer une vague d'amour au monde. On en a besoin pour amener la paix et l'amour. Et là-dessus, parlant d'amour, je vous aime beaucoup, mes chers collègues, et je vous souhaite de passer de joyeuses fêtes. Okay. Salut, Étienne, toi aussi. J'ai un speak, mes chums d'hockey. Ben, quoi? T'en soigneras un. On finit de tes nouvelles avec tu soigneras tes chums d'hockey. Ah, très crédible. Oui. Salut, Étienne. Salut, t'as bonne période des fêtes, puis garde ta madame et ta petite. Okay? Ah ouais, ouais. Ce soir ou les autres soirs. Okay. Parce que si tu le fais pas, moi, on va le faire. Oh, non, 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 dans le sens de gâter des cadeaux. Ah, ah oui, oui. Ah, oui. Non, s'il vous plaît. Excusez-moi. Anaïs, météo. Ah, cette fois-ci, j'ai une taupe qui est à l'aéroport de Saint-Hubert et qui me dit que là-bas, c'est de la neige parce que ce matin, selon votre région, il peut tomber de la pluie, de la neige ou de la slotch, mais cet après-midi, ce sera de la pluie partout puisqu'il fera 2 degrés. En ce moment, il fait 1 à l'extérieur. OK. Hockey 92. Nous devrions d'abord parler un peu de hockey. Sur Énergie, en route vers les séries. Saison 1992-1993. On va en profiter, Pierre, parce que dans 20 ans, ça pourrait être la fin du monde. Fait que... Oui, 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 oui. Go Habs, go! Oui, ça va bien. Canadien qui joue pas, qui a pas joué hier. Canadien joue jamais. Non, il joue jamais. Il joue jamais à ce temps-là. Mais va jouer ce soir contre les Oilers d'Hartford. Alors, oh, ça les de baleiniers. Voir... Oui, ça vous tente de voir Zarley, Zalapski. C'est toujours Lyotte qui est dans goal? Non, c'est... on est rendu à Sean Burke. C'est un autre époque. OK, excusez-moi. C'est pas... c'est alors, que je connais pas mes amis. Il y a toujours la même chanson, par exemple. Brass Bonanza. Brass Bonanza, tapez ça sur YouTube, vous allez trouver. Hey, parlant de musique, vous savez que c'est la fin de l'année et on se demande tous qui va gagner la chanson de l'année entre Red Hot Chili Peppers et Under the Bridge. Oui, parce qu'on est en 92. Exactement. Ouais. D'ailleurs, on salue tous ceux qui ont la moustache, les filles qui ont les pipettes de 4 pieds. Et, on les entend, les Red Hot. Oui, exactement. Ouais. Donc, c'est entre Red Hot Chili Peppers et Eric Clapton et Tears in Heaven. Oh, ça, c'est une belle ben, chanson. Ben, côté film, là, les gars. Oui. Je veux savoir, là, c'est parce qu'il y a eu bien des bons films cette année. Il y a eu Malcolm X, Basic Instinct. Bon, ben, ah oui, la passe où elle s'est là, assis à sa chaise. Ouais. Exactement. Ouais. C'est basic. C'est assez basic. Il y a eu Home Alone 2 cette année. Ah! Oh, à New York! Ah, à New York. Et il y a eu également le film avec Whitney Houston, The Body. Oui! Ah, oui! Oh, ah, ça, là. On a capoté. Ah. Celle qui a fondu en larmes. Ah, non. Non? Still alive. C'est incroyable. Ah oui, quelque chose. Elle, là, ça meurt pas. Elle va faire des films. Elle va être ouais. Ah, non, ouais. Écoute, Les Hommes d'honneur avec Tom Cruise, le film d'avocat, c'est oui, carré. Bon, oui, oui, très oui. Bon. Et Sister Act, Rock and Nun. Hey, Rock and Nun. Vous souvenez-vous de Wayne's World? Ben, oui, oui. Oh, mamma mia, mamma mia. Mamma mia, let me go. C'est une grosse année dans le monde des films, alors je vous demande, ça va être quoi votre film de l'année? Okay. C'est pas vraiment important, on a plus de temps. OK, on va y un petit mode de Queen. Let's go, André, let's go. Préféré là, de tout ce que t'as donné, c'est Rock and Nuts. Rock and Nuts? Ah, moi, Rock and Nuts. Georges Larac, la dedans de cœur. Ça, c'est la top. C'est pas. Non? Pas, non, t'as c'est Whoopi Goldberg. Non, c'est BY. Oh, ça, c'est une robe de deux pieds, là. C'est BY. OK. Anaïs. Hey, ben, parlant de films, il y a des films dans lesquels il y a plein d'erreurs. Ça nous arrive de voir des vêtements qui sont pas d'époque dans un film vieux, ou etc. Des caméras. Et ils ont compté le nombre d'erreurs qu'il y a dans les films en 2012 et sont arrivés avec le top 3. En troisième position des films avec le plus d'erreurs, l'extraordinaire Spider-Man. En deuxième position, Skyfall. Il y a 26 erreurs dans Skyfall. Moi, j'en ai vu aucune, mais bon, je serais concentrée sur le gars. Et en première position, avec 63 erreurs, c'est tout un record, le film Men in Black 3. Ah, ouais. Okay. Je vais aller le voir, puis je vais juste prendre des notes. Eh oui, c'est awesome. Je sais que dans Benur, il y avait une phase où on voyait une montre. Ah, mais il y avait un gars qui avait un chapeau de cowboy aussi. Oui, puis à un moment donné, dans l'arène, il y a une course de chariot, puis tu vois un avion passer dans le ciel. Je te jure, pour vrai. Oui, absolument. Ouais. Mais le gars avec le chapeau de cowboy, là, ça, c'est drôle, si vous tapez sur Internet, vous le voyez bien comme. Benur. Vous le voyez bien comme poule dans la foule, puis là. Le problème, c'est qu'il faut écouter Benur. Ah, mais c'est bon, Benur. Ouais, c'est long un peu, ben. C'est long un petit peu. Hey, nous autres aussi, là, on s'en va tout de suite. Il est 8h32. On vous a promis du Paul McCartney, on vous en présente tout de suite ici dans le Bunker Énergie.
fin du monde. Après 40 000 exemplaires vendus de son dernier album, Marie-Mée au sommet des palmarès revient au Centre Bell. Énergie à TBA pour sa tournée Miroir du 3 au 5 mai à radioénergie.ca, la radio de tous les shows. Énergie 94.3. L'autoguidage à 8h36 minutes pour les gens qui se dirigent au nord de Laval. Soyez prudents et surtout réduisez votre vitesse. Les conditions semblent s'être détériorées pas mal au cours des dernières minutes. D'abord, sur la 15, on a fermé complètement à la hauteur du kilomètre 70 à Saint-Adèle. Il y a des lames de neige et un camion qui a fait une mise en portefeuille. Et sur la 640, on nous signale également une sortie de route à la hauteur de Bois-des-Filions, kilomètre 30 en direction est. Donc, soyez vigilants. Profitez d'un max de super offres chez EconoMax. Un matelas deux places de Somex est à 299 $ et le lit matelot est à 169 $ lors de la grande vente d'après-Noël d'EconoMax, des meubles à prix d'entrepôt dans un décor d'entrepôt. Je t'aime. Je t'aime. Oui. 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 Le jardin secret d'Anaïs. Oh yeah, le jardin secret de fin du monde. Oh ben, oui. C'est la fin du monde, puis je me suis dit que j'aimerais mieux mourir la tête vide et le cœur léger. Alors les gars, il y avait des choses que j'ai notées depuis que je travaille avec vous, puis que je ressentais le besoin de vous dire avant qu'on s'en aille tous. Faire attention quand même. J'ai pris des notes parce que c'est pas fin, puis les affaires pas fines, je m'en rappelle pas toujours par cœur. Alors Pierre, j'en ai jamais rajouté parce que les gens du public et les collègues l'ont assez fait, mais pour vrai, c'est pas parce que je suis une fille que j'apprécie les photos de bébés animaux que tu mets sur Facebook. Ben voyons donc! Pierre, c'est quétaine des photos d'animaux, c'est moche. Puis quand je te disais « Oh, cute! » C'était vraiment juste pour être gentille. Ce que je voulais dire, c'est « Je vomis sur tes petits animaux, Pierre. Il y a rien de cute dans un bébé hérisson. Si lui, il te voyait, le bébé hérisson, il t'enverrait des aiguilles d'en face, puis je te jure que ça serait pas mal moins cute. » Ouais, mais il y a ce carré! S'il y a une raison qui me fait apprécier la fin du monde aujourd'hui, c'est parce que je me dis que c'était ta dernière photo de chien déguisé que je voyais, puis il fallait que tu le saches. Mais merci, okay. Martin, toi, une chance que c'est la fin du monde, parce que ça t'évite de faire du diabète de type B dans les prochains mois. J'ai jamais vu quelqu'un manger autant de cochonneries avant que le reste de la population soit levé. Il est pas encore 8 heures, puis t'as déjà gobé les calories d'une journée complète de tous les habitants de Mirabel. Tu consommes du sucre comme s'il y avait pas de lendemain, puis aujourd'hui, c'est la première fois que t'as raison. Puis en passant, j'haïs ça, le football. Quand je te regarde en hochant la tête, puis que je dis « Ah oui, hein? » c'est de l'extrême politesse. Contrairement à toi, j'éprouve aucun élan de passion en regardant des obèses en leggings se foncer dedans. Je voulais que tu le saches. Okay. Je sais. Est-ce que je suis épargné? Philippe Bond! On n'a plus le temps! Faut que je te parle de tes records du monde. Okay. Philippe, c'est pas des records du monde, c'est de la marde que tu fais. C'est n'importe quoi. Si remplir ton t-shirt de saucisse te rend vraiment heureux, c'est la preuve que Dieu existe et que la fin du monde n'arrive pas pour rien, mais pour en finir avec tes niaiseries. Tout le monde est capable de courir avec un œuf dans une cuillère, surtout quand il est collé dans le fond. Ta gueule, Fabron! Pis tout le monde peut manger vite des patates pilées faites avec trop d'eau. C'est pas vrai que t'es hot, c'est pas vrai que t'es bon, t'es un gars ordinaire, drôle peut-être, mais crissement ordinaire. T'es peut-être habile avec tes orteils, mais ça, des orteils, ça m'écœure, fait que ça m'impressionne pas. Au contraire, puis je voulais que tu le saches. Les gars, je peux maintenant partir en paix et mourir l'esprit libre pour enfin aller me reproduire avec le premier des trois accords qu'il veut. Oh, d'accord! Hey, on a mangé une maudite. Hein? Oui, OK. Ben, garçon, meurs pas, là. Attends-toi à une réplique en janvier. Oui, si on meurt pas, trouve-toi une job. Un contrat d'un an, non? OK. Anaïs Favron, mesdames, messieurs. Le vendredi 21 décembre 2012, lorsque le soleil se lèvera, ce sera alors le début de la fin du monde. La fin du monde, c'est encore drôle. 94.3 Énergie. L'autoguidage, une présentation de Starbucks. Doublez le plaisir d'offrir et de recevoir. À l'occasion des fêtes, offrez une carte cadeau Starbucks. Une fois enregistrée, celle-ci donne droit à des avantages pendant toute l'année. On a déplacé le véhicule qui avait fait une sortie de route sur la 640 Est à la hauteur de Bois-des-Filions. On commence à circuler plus facilement. Il y a quelques endroits où c'est difficile. 25 Sud, c'est encore depuis la montée Masson. L'autoroute des Laurentides, mais dans les Hautes-Laurentides, à Sainte-Adèle, complètement fermée. Il y a des lames de neige sur la chaussée et un camion qui a fait une mise en porte. Dès maintenant, chez vos concessionnaires Mazda, obtenez 0% de financement à l'achat sur tous les modèles 2013, plus ne payez rien avant 90 jours. Détails chez votre concessionnaire Mazda. C'est encore drôle, mais c'est déjà les fêtes. Avec Pierre Pagé, Philippe Bande, Anaïs Favron et les 2 minutes du peuple de François Pérusse à la radio de tous les hits. 94.3 Énergie. Il est 8h49, toujours dans le Bunker Énergie. On vous rappelle que l'on est toujours en attente de la fin du monde, mais jusqu'à maintenant, tout se déroule très très bien. Et nous sommes en onde. C'est encore drôle.
jusqu'à midi 21. Oh oui, on lâche pas. C'est l'heure limite si on ne meurt pas d'ici là. Et midi 22, ben on s'en va. On a un voyage au Mexique pour nos gens à gagner, bien sûr, au cours de l'émission. Restez là, Anaïs, la météo. Ben, j'ai Ginette La Liberté qui nous écrit pour nous dire qu'il y a 10 cm de neige de tomber à Lavaltrie. J'ai des taux de météo partout. Merci, merci beaucoup de nous écouter et de partager ça avec nous. Et je m'excuse, mais derrière toi, on entend les poules, hein, nos poules qui sont là pour, bien sûr, reproduire. J'ai une chance parce que si on entendait les lapins, on serait dans le mal. T'as pas de bruit, un lapin. Hein? Non, t'as peut-être un petit peu moins. Alors, il va y avoir de la neige, neige, pluie et slotch ce matin. Ça sera de la pluie cet après-midi avec 2 degrés. En ce moment, il fait 1. Hey, Anaïs, Martin, les amis en studio, il y a notre ami Philippe Barne qui a toujours... Ah non, il y a sa face. Non, écoute, Philippe a le cœur sur la main. C'est pas compliqué, il est généreux en tabarnouche. Et aujourd'hui, il voudrait être généreux avec une personne qui est dans le bunker énergie, OK? Oh. Et cette personne-là, Philippe, ce sera peut-être son dernier anniversaire. Oui. Et d'ailleurs, si les gens qui vous nous écoutez à la radio, vous pouvez aller sur la webcam, vous nous voyez en direct. Et je vous invite à venir voir ça. OK. Caroline Lamarche, c'est sa fête aujourd'hui. Caroline, viens-t'en. Caroline, je te rappelle, Caroline, qu'on est en direct à la radio dans le Bunker Énergie. Tout ça se passe en direct. Caroline, tu peux t'asseoir aussi. Oui, tu peux t'asseoir, Caroline. La journée de l'orgasme, je le rappelle. Et en cette journée de l'orgasme, Philippe Barne ne reculant devant absolument rien, il va de son premier striptease radiophonique, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. C'est parti, yeah! Il a déjà enlevé sa ceinture. Et on voit le sourire satisfait de Caroline. Ah là là! Non! Ben non, pas tant que comment ça! Ben comment non, ça? Il y a personne qui veut voir ça! Ben non, je suis pas sûr, on passe au vote! Hey les gens, voulez-vous le voir ça? J'adore ça! Il y a ma cousine qui est dans le bunker! Elle fait ça! Non, je veux pas voir ça! Elle l'a déjà vu! Caroline! Je t'offre une paire de billets pour ta fête pour venir me voir au Centre Bell le 5 avril avec ton chum. Hey! Super cadeau! Bonne fête, Caro! Bon anniversaire! Là, j'étais avec ton chum et tu peux inviter un autre gars, là, c'est toi qui décides. OK! Ah, ben c'est un beau cadeau! Ah, quand même! C'est mieux qu'un striptease! Ben, je vais le faire à Anaïs. Ah, tu vas le faire à Anaïs? Ouais. Est-ce que tu vas le faire sur Locolocas? Ben oui, pourquoi pas? Ben, c'est de passer la chance. Sans casse gommée. OK! Dans le bunker énergie jusqu'à midi 21, c'est encore drôle! Mon chemin, c'est toi, Seigneur, oui, c'est toi. Oui, 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 mon chemin, c'est toi, Seigneur, oui. C'est toi? Vous voilà tous réunis dans le bunker énergie. Le bunker énergie, une espèce de futur club échangiste. Maintenant, prions une dernière fois avant de sauter. Je vous salue, Marie, pleine de notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre Vierge de ce jour. Donne-moi au moins ma chance. Vois comme j'ai beaucoup changé. Au nom du Père, du Meuble et du Saint-Esprit, amen, mes culottes sont pieds. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Voici le scénario que décrit l'une de ses prédictions. Le vendredi 21 décembre 2012, le soleil se lèvera comme tous les jours. Mais il se placera lors de ce solstice directement entre la Terre et le centre de notre galaxie. Ce sera alors le début de la fin du monde. Jusqu'à maintenant, à 9h01, nous vous confirmons qu'il n'y a rien, mais jusqu'à maintenant, le monde, à travers la planète, tout le monde est encore vivant, en activité. Claudine Prévost arrive de l'extérieur. Elle est arrivée vers les 8h30 ce matin. Claudine, tu peux confirmer mes dires? Je te confirme, mon cher Pierre, que je me suis rendue ce matin, qu'il y avait de la gadoue en masse dans les rues. Oui, des obstacles, on s'en aperçoit. Des obstacles. Oui. De la pluie, la grêle. De la neige. Ça, c'est tout un obstacle, ça aussi. C'était niaiseux, bande. Mais je me suis rendue
Oui. Et tout le monde était sur la rue ce matin à faire son petit train-train quotidien. C'est pour le moment. Pour le moment, parce qu'on sait que la fin du monde peut arriver d'ici midi 21. Là, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Le téléphone, on va aller répondre immédiatement. Oui, Bunker, c'est encore drôle. Oui, bonjour, Mario Tessier, direct de Boucherville. Ah oui, Mario, excellent. Merci beaucoup de nous renseigner. On a déjà parlé ce matin à Chloé Boissonneau, en direct du Mexique, où tout se passe bien. Claudine Prévost, au niveau du centre-ville de Montréal, nous confirme une agadoue. Mais quand même une certaine stabilité parmi la population. Du côté de Boucherville maintenant, Mario. Ben écoute, Pierre, ce matin, je suis arrivé de vacances après une semaine et je dois dire que j'ai retrouvé des tas de mon chien partout sur mon terrain, alors tout est normal. Donc même la population animale, il n'y a pas que l'humain là qui survit, la population animale survit très bien à cette fin du monde, Mario. Tout va bien, Pierre, mais malheureusement, je souhaiterais vraiment que ce soit la fin du monde parce que je suis allé sur Twitter pour écrire « Georges Saint-Pierre est une momoune et je prête à le pogner quand il Et Mario, d'ici midi 21, on va savoir si tu vas mourir dans les mains de Georges Saint-Pierre ou aux mains de la fin du monde, OK? Absolument. Écoute, je voulais vraiment vous souhaiter une bonne dernière journée, tout le monde. Je vous aime. Et peu importe ce qui arrive, Pierre, je te redonnerai jamais l'argent que je t'ai emprunté. Écoute, j'y compte bien, hein? Écoute, je te connais tellement, là. Donc, hey, Mario, salut, là. Belle période des fêtes. Je vous embrasse. Salut tout le monde. Salut, Mario. Allez. Mario. OK, nous allons procéder maintenant musicalement parce que tu vas nous accompagner. Ben, absolument. Écoute, on est tellement gâtés, Claudine Prévost, là. Ben, en prolongation quand même, sur mon chiffre, là, Pierre. Oui, c'est ça. Vous empruntez mon chiffre. Oui, je sais, mais regarde... Pour la cause de la fin du monde, je suis prête à tout. Mais on emprunte aussi ta bonne musique. Oui, je l'apprête. Avec plaisir. Et après ce montage musical, si je ne me trompe pas, Boys of Summer, Diamonds, Hurts Like Heaven, j'ai bien dit. Oui, tu t'es correct. Très bien, mon Pierre. Écoute, avec un certain accent du lac Saint-Jean, mais quand même. Ton H aspiré, t'es là. Oui, je ne sais pas comment j'ai fait, demande-moi pas de le refaire. Nous allons aller rejoindre tout de suite après ça Philippe Bond, qui lui est protégé dans le Bunker Énergie, mais il va sortir à l'extérieur. On va s'en débarrasser. Pour une première fois. Est-ce qu'il va flétrir, pencher, tout ça, crever? On le saura dans quelques minutes à la radio du Bunker Énergie. La fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Énergie. Oui, en direct dans le Bunker Énergie. Avec Claudine Prévost qui se joint à l'équipe. Donc, re-bienvenue une fois de plus, Claudine. Merci. Et merci de nous passer du temps d'antenne dans cette journée spéciale. Mais là, tu sais. Ah, pas bien le choix. C'est la cause de la planète, Pierre. La cause de la planète. Absolument. Ah, une phrase clé qu'on n'avait pas sortie encore ce matin, mais que l'on va prendre en note. Nous avons bien sûr Anaïs Favron qui est toujours autour de cette table. Toujours. De même que Martin Lemay. Et tout, bien sûr, les gens qu'on a sauvés dans le Bunker Énergie. Ces gens-là sont avec nous depuis très tôt ce matin. Peut-être n'ont-ils pas eu de radiation, ont encore goûté à la nouvelle ère de cette nouvelle fin du monde là, qui est peut-être arrivée. Allons tester avec Philippe Bande parce qu'on envoie Philippe Bande à l'extérieur. Et Philippe est protégé dans le bunker depuis le début de l'émission, donc il est un peu aseptisé, si on peut dire. Il n'y a pas de microbe sur lui. S'il sort dehors et il meurt, extrêmement dangereux. Ça voudra dire que la fin du monde s'en vient d'ici midi 21. Philippe? Pierre? Oui. OK, là, je suis présentement dans la ruelle. Je suis pas sorti seul, OK? Je vais t'avouer que j'ai un peu peur. Oui. Alors, j'ai avec moi une technicienne en traitement des eaux qui s'appelle Myriam, tu m'as dit? Oui, Myriam. Tu viens de quel coin? Farnham. Je suis avec un chimiste. Quel est ton nom? Jean-François. Tu viens de Montréal? OK, parfait. Et je suis avec un paramédic qui est équipé, mon gars, comme si on s'en allait au front. C'est quoi ton nom? Patrick Deschamps. Patrick de Chambly. Mais là, t'es en train de nous dire que tous les quatre, vous êtes à l'extérieur. Attends un peu, on vient de sortir dans la ruelle, Pierre. Là, je m'avance. Attention, Philippe. Je suis rendu au coin. Pierre. Philippe. Pierre. Philippe, Crin, Monique, Bob, pensez. Pierre, il y a rien, Pierre. Il y a personne. Attends un peu, bouge pas. Mais dans le film Brune de Stephen King, c'était comme ça, hein? Attends, Pierrot. Il y a absolument rien qui se passe. Là, je suis sur René Lévesque, je marche. OK, c'est beau, Pierrot. Je suis rendu au coin de Papineau, René Lévesque. Là, je regarde le McDo, les gens sortent. Il n'y a rien de changé, le monde sont toujours aussi laid. OK, un instant. Philippe, prends une grande respiration au micro. Remplis-toi les poumons pour voir si tout est correct. OK, attends un peu. Tout semble bon, Pierrot. Tout semble correct. Écoute, par exemple, seul petit pépin... Normal. À Montréal, l'air est mauvais habituellement. Je sais, mais Pierre, Anaïs, comme d'habitude, il n'y a rien de changé. Elle est dans le champ. Il neige à plein cul présentement dehors. Et elle nous dit qu'il mouille depuis ce matin. Alors, Anaïs, t'es dans le champ. Ah, okay.
comme d'habitude. Et là, je suis avec une technicienne en traitement des os. On va juste tester voir est-ce que j'ai le droit de manger de la neige, tu penses? Oui, personne n'a pilé, là. OK, je vais goûter à la neige. On est au coin de René Lévesque-Papineau, je vous le rappelle. Alors, je joue avec ma vie. Prends la jaune, elle est plus goûteuse. OK, alors, oui, il y a un petit peu de jaune. Attention, oui. Je goûte, bougez pas. Pierrot! Oui! Philippe! Tout semble bon, Pierrot! Philippe, merci de nous rassurer, mais nous, on reste dans le Bunker Énergie jusqu'à midi 21 et vous pouvez nous voir via le web ce matin. Donc, si on meurt, on le fera live devant vous. Vous le verrez dans vos écrans d'ordinateur. N'ayez aucune crainte à ce niveau-là. S'il se passe quelque chose, on va crever avec vous. OK, ici sur Énergie. N'oublie pas d'être un bon petit garçon. La radio de tous les hits. Énergie. Tout le monde debout, je veux pas avoir un s'asseoir. À ce soir, les magasins sont ouverts à tous les soirs. C'est la danse du shopping. C'est une danse en ligne, sur le beat de Santa Chacha. Où tu cherches des affaires que tu trouves pas. Tu fais voler ton parking, pis les vendeurs sont moins fins. Parce que ça fait 12 heures qu'ils sont là. Les messieurs regardent leur compagnie, pis leur disent, t'es-tu du aller là, asseoir dessus? Oui! C'est le temps de défoncer tous les vues de jet. Personne balance, et puis tout le monde danse. Des dépenses folles sur des cartes de crazy. Folle, ouais, crazy, ouais. Du poignet, en tout cas. Si les bobettes font pas, on peut-tu les retourner? Non, si tes vires de bord, ça change rien. C'est ça. Ok. Pouvez-vous enlever le prix? Oui, voilà. Merci. Vous avez pas payé? Ben, vous avez enlevé le prix! Moi, je suis plus capable d'entendre le mot certificat cadeau. Ben, comment tu veux appeler ça? Un certificat numéro 2 d'eau. Pardon, mesdames. Oui, monsieur. S'il y en a une qui pète, est-ce que toutes les autres éteignent? Non, toutes les autres étouffent. Je parle des lumières de Noël. Ah, je sais pas. Hey, caisse, combien ça coûte? Maudite caisse. Mais qu'est-ce que vous faites là, monsieur? Je veux savoir le prix de ça, puis ils m'ont dit de demander à la caisse. Au contraire, faut demander. Moi, tu veux savoir, lui? La danse du shopping. Tout le monde is freaking. D'une boutique à l'autre, c'est le jogging. Jusqu'au 24 au morning. Le Père Noël descend déjà. Il y a toujours une petite odeur d'urine. C'est du rideau, les rouges. Parce que tout le monde en place amène ses petits-enfants, ça soit sur lui. Hein? Puis fournit la photo. Ouais. Puis s'en garde une copie. Whoop. Mais n'oublions pas que la vraie signification des fêtes, c'est le Christ. Ouais, mais y'en a plein les magasins. Hein? Y'a celui qui a oublié de me donner ma facture. Oh, le Christ. Y'a celui qui m'a coupé la caisse en arrivant avec son panier. La danse du shopping. Après ça, très sien du screening. Puis le reste de l'année. Les jours tu manges des bings. La danse du shopping. Ça se danse en ligne. Envie dans son propre money. Moi j'avais au moins 10 000 avant. Là mon gars je suis dans le rouge. La fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Energy. Yes, dans le Bunker Énergie après Britney Spears qui nous disait de danser jusqu'à la fin du monde. C'est bien beau, mais on a du magasinage aussi. Non, c'est ça, mené, puis on n'a pas du souffle tant que ça. Là. Non, on a une bonne condition physique, mais pas tant que ça. Le mai, c'est pas danser. Non, lui? Mais dans quelques minutes, tu auras ton chanteur favori. J'aurai mon cadeau de Noël. Mon cadeau de Noël. Oui, il est en studio. Karim Ouellet est avec nous. Karim Ouellet, bienvenue sur Énergie. Merci beaucoup. Écoute, Karim, t'es une vedette actuellement. T'es en pleine montée. C'est extraordinaire. Avec la toune qu'on entend derrière, là, l'amour que tu vas nous interpréter tout à l'heure. Exactement. Version sensuelle, si je peux dire. Tu vas nous faire l'amour si version sensuelle. Je vais vous faire l'amour version sensuelle. Wow. Parce que c'est guitare-voix, c'est smooth, c'est sexy. C'est la journée de l'orgasme. J'ai besoin de le rappeler. Oui, t'as bien accroché plus sur l'orgasme que la fin. Il y a des journées internationales qui nous parlent plus que d'autres. Moi, je suis assis entre Pierre et Anaïs. Lequel choisir? On a un dilemme. Alors, Karim, ben écoute, c'est ta première présence dans notre bunker et ce sera sûrement ta seule. Mais on... Pas parce qu'on t'aime pas, parce que c'est la fin du monde. On le démolit! C'est vrai, c'est terrible. On le démolit, le bunker. Si on meurt pas, reviens tous les vendredis. Oui, OK. Avec plaisir. Tu es actif sur les réseaux sociaux. Je suis abonné à ton compte Twitter depuis déjà une couple de semaines. Et moi aussi, depuis déjà quelques secondes. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est profitable pour toi? Tout à fait. Je t'avoue que je regarde pas beaucoup les conséquences de tout ça. Je sais seulement que ça permet à des gens que je connais pas personnellement de pouvoir prendre de l'information au jour le jour. Oh, oui, le truc bien simple. Ah oui, cette semaine, j'ai été suivi toute la semaine. Bon, je viens d'arriver à Montréal, OK, je suis allé à telle place, OK. Mais Karim, tu viens d'où exactement? Moi, je suis né à Dakar, au Sénégal. OK, à côté ici, là, c'est à côté. Ouais, Chambly. À côté, ouais. Sénégal, à Chambly. Oui. Et puis, aujourd'hui, j'habite à Québec. OK, t'habites à Québec. OK.
Okay. Ah, ben, tu vas comprendre, à un moment donné, tu vas te déménager à Montréal. j'ai fait le même parcours. Bravo, t'as un beau parler, puis t'as l'air d'un gosse Michael. Être une fille, je te frangerais. Mais tu ne l'es pas. Non, exactement. Non, tu ne l'es pas. Mais donne-moi quelques secondes, je peux faire une petite transformation. Secondes. Écoute, on est dans les magasinages de dernière minute. Ah. S'il y a une belle idée cadeau, là, c'est le CD. Et ce qu'a fait Philippe Band, il a acheté l'album. Je l'ai acheté l'album, excellent. J'adore la pochette. C'est un renard qui est à côté. Exactement. OK. Et puis, ça veut dire quoi exactement? Il n'y a pas, je vais être très franc avec toi, il n'y a pas de signification bien précise. Moi, l'animal m'obsède un peu depuis plusieurs années. OK. Le nom en anglais, Fox, je trouvais ça très beau depuis très longtemps déjà. Et puis, lorsque j'ai commencé à composer, tout ça commençait à faire du sens un peu plus. J'ai composé une chanson qui s'appelle Fox aussi. Okay. Et à partir de là, le visuel est venu se greffer à tous mes concepts un peu flous. OK. Pour donner un corps à tout ça, puis c'est fait pour porter à interprétation. Ok. Écoute, tous les mots que tu as dit, je pense que je les ai jamais utilisés. Je vais juste aller me moucher parce que j'ai du sang dans mon nez, mais j'ai hâte d'entendre ça. Hey, écoute, si tu aimes les animaux, on t'invite à aller faire peut-être un tour chez les gens de Poney en Fête et aller voir leur site internet poneyenfête.ca qui nous fournissent les animaux de ferme ce matin dans notre banque énergie. J'ai hâte de les cuire. Mais on n'a pas de renard, malheureusement. Malheureusement, mais c'est pas grave, Non. Hey, écoute, dans quelques minutes, vous allez avoir Karim Ouellet live sensuel pour vous. Nous avons Blink 182, Neon Trees et Bruno Mars sur la radio de tous les hits dans le show de Claudine Prévost en prolongation dans le Bunker NRJ. Les plus grands de l'humour sont à Énergie. Énergie. Déjà 100 000 billets vendus et gagnant de l'Olivier de l'année. Énergie est fière de présenter Philippe Band au Centre Bell le 5 avril. Ne cherche pas, les derniers billets sont à radioénergie.ca. Philippe Band au Centre Bell, une présentation, la radio des plus grands de l'humour. La radio de tous les hits. 94.3 Énergie. Dans le Bunker Énergie, mesdames et messieurs, messieurs Bruno Mars. Nous allons avoir une prestation live dans quelques instants autour de la table. Nous avons Anaïs Favron qui est là, Claudine Prévost, l'ami Philippe Band, Pierre Paget qui vous parle, également José Godet qui est ici. Oui. José qui a fait des conneries dans les dernières minutes. Vous avez manqué ça, c'est que vous êtes pas branché sur la webcam Énergie. Oh, j'ai oublié. Oui. Mais quel... Oh, ouais, je suis désolé. D'ailleurs, la façon que tu m'as pris la tête pour te faire une gâterie, j'ai adoré. Je salue ma mère. Oui. Philippe, je t'ai remis la monnaie de ta pièce. Ah oui? Toi qui me désires en secret depuis si longtemps. Bon. Avouons-le ce matin. Parlant de désir, ça fait longtemps qu'on veut l'entendre live. Nous autres, on l'adore. C'est la première fois qu'il nous visite. Oh, et oui. Aujourd'hui, en cette journée de fin du monde dans le Bunker Énergie, ça nous fait plaisir de l'accueillir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Karim Ouellet. Oh! Alors, Karim, merci. Tel que promis, ce sera l'amour, mais l'amour-tendresse. 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 L'amour-sensuel-tendresse. Mmh. Okay. Rappelons que Anaïs Favron a dit au moins à 4 reprises aujourd'hui que c'est une journée... Oui, Pierre, oui! C'est la journée internationale de l'orgasme. Oui, voilà. Donc, toi, t'as pas ça, Godette, d'un grain de gueule, hein? Une petite cochonne, de même? Pas besoin. Mario, t'es ici, moi, mais il est moins propre. Ouais, moi, il est plus rude. Et puis, il fait mal, Mario, hein? Mais est-ce qu'on pourrait revenir à Karim? On y revient immédiatement. Parlant de faire mal. Ça nous fait plaisir de vous le présenter dans le Bunker Énergie, Karim Ouellet. Je dis ta route est tracée d'avance, alors tu gardes ce que tu penses pour toi. Et pile ou face, c'est sans importance, laisse décider la chance, cesse de demander pourquoi. Alors on peut dessiner des mots d'amour du bout des lèvres, on peut siffler comme un oiseau quand le soleil se lève, on peut laisser ses mots crever dans sa bouche et pleurer comme un bébé quand le soleil se couche. Dis-moi qu'on est de ma belle et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Et dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. On te dit que tout est noir et tout est blanc, qu'on est pour ou qu'on est contre et qu'il faudra choisir un camp. Oh non, allons voir s'il nous est permis de garder l'espoir. On peut dire
à celle qu'on aime, qu'on l'aime et qu'elle est belle. Recommencer tous les matins quand le soleil se lève. On peut viser tous les cœurs et ne jamais faire moucher, rentrer seul quand le soleil se couche. Dis-moi qu'on est deux, ma belle, et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Et dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Dis-moi qu'on est deux, ma belle, et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Et dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. On veut que les noms de corps. Oh. Et déposer les armes. Dépasser la mort et monter encore jusqu'au sommet des arbres. Dis-moi qu'on est de la belle et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Et dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Dis-moi qu'on est de ma belle et qu'il y a ta voix qui m'appelle. Et dis-moi qu'est-ce qu'on veut faire. On fait l'amour, on fait la guerre. Hey Karim, on s'excuse, on est à la fin. Hein? On pensait pas qu'il restait un petit bout. Ah, non, écoute, mais déjà, on est en feu, j'aurais applaudi à toi, à chaque refrain. Bon courage, c'est bien. Bon, regarde, écoute, Karim, merci de ta prestation. De est-ce que tu es en spectacle bientôt dans le coin Montréal? Dans le coin Montréal, ça va aller au 23 février, okay. Pour Montréal en lumière. Je suis en spectacle à l'Astral. Oui. Vers 21h le soir. Ça, c'est le fun, c'est toute la nuit, il y a des shows, hein. Exactement. Donc, même quand mon show est terminé, ça continue dans les autres salles autour. Excuse-moi, Pierre, je sais pas si t'as remarqué, Karim a une petite voix aiguë, hein? Oui. T'as vu qu'il a une voix. Oui. Il a cette voix du bon. C'est incroyable. Barry White, j'aimerais bien voir ses couilles. Ben, il n'y a qu'à lui de demander, il est là. C'est l'occasion rêvée, hein, cette journée de fin du monde. Ouais, il faudrait juste que les gens se tassent, par exemple. Avec la webcam. J'ai, Karim, une Marie-Jo qui nous écrit sur la messagerie texte et qui fait dire qu'elle est très contente que tu aies une chanson sur ton album qui porte son nom et elle l'aime beaucoup. Oh. Ben, bravo. J'espère. Merci, Marie-Jo. Marie-Jo. Marie-Jo, c'est-tu une ex, Karim? Non, c'est pas une ex. Non, c'est un fantasme. Ah, un fantasme? Ah, ben écoute, message de texte, donne-nous on a son numéro de téléphone. Oui, on a tout ça. Son numéro. On a tout ça, Karim. On a tout ça. Merci, Karim. Hey, Karim Ouellet, mesdames, messieurs. Karim Ouellet. Merci. Bienvenue en prestation. Et n'oubliez pas, c'est une excellente idée cadeau. Allez vous acheter son CD qui est très aimé de la part de Philippe Bande, entre autres, et des auditeurs d'Énergie. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, un ami de Philippe Bande, un ami de la station, un ami des humoristes comme José Godet, tout ça, mais surtout un ami à vous, le curé Poirier. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi. Mon chemin, c'est toi, Seigneur, oui. C'est toi? Vous voilà tous réunis dans le bunker Énergie. Pour les innocents qui se demandent encore, c'est quoi la fin du monde? C'est le pire moment pour gagner un gros lot de 1000$ par semaine à vie. Au nom du Père, du Meuble et du Saint-Esprit, amène les culottes sans pied. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Décembre 2012, lorsque le soleil se lèvera. Ce sera alors le début de la fin du monde. La fin du monde, c'est encore drôle. 94.3 Énergie. La fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Énergie. Oui, dans le Bunker Énergie, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est encore drôle en prolongation.
avec la collaboration de Claudine Prévost. Claudine, oui, qui est rendue dans le grand studio A. Allô? Et, oui, oui, t'as toujours ton masque à gaz, Claudine? Toujours mon masque à gaz. OK, parfait. Tout, Pierre. Le son est merveilleux malgré la présence du masque à gaz dans, oui, ton, dans ton visage, Claudine. Oui, je sais, j'ai fait faire... Un gadget spécial pour, ouais, ça, Pierre. Bon, écoute, vraiment, là, c'est réussi, c'est réussi. Nous, nous sommes toujours dans le Bunker Énergie. Et on est là jusqu'à midi 21. C'est l'heure limite pour la fin du monde. Donc, si vous pensez que vous avez sauvé votre peau, ce n'est pas encore réussi. Il faut attendre jusqu'à midi 21. Midi 21. À midi 21, s'il n'y a pas eu de fin du monde, on sera libéré de toute pression. Mais là, je reste ici, là, Pierre. J'ai pas besoin de sortir à l'extérieur. Mais pour le bénéfice des auditeurs. Oh, oui, oui, oui. Et là, écoute. Mais pourquoi ce temps-là? Ben, il faut envoyer quelqu'un, puis ce sera pas moi ni Pierre. Non, c'est ça. Mais bon, Anaïs. Fait que fais ton calcul. Qu'est-ce qui reste? Il reste toi. Donc, dans quelques minutes. Philippe Bond ira à l'extérieur tester l'air ambiant montréalaise et à savoir si tout va bien là-bas. Okay. Mais pour l'instant, Claudine, oui, on a trois grosses tunes. Là. Ben oui, absolument, mon cher Pierre. Attends un peu que je trouve ça. Moi, je les ai. Green Day. Kill the DJ. Maroon 5. On a Muse pour commencer. Yeah, on est parti. Ça, c'est bon. Okay. Mais en... Dans le Bunker Energy. Toujours 16 hits à l'heure. Mix Energy. Fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Energy. Oui, direct dans le Bunker Energy, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. On vous parle avec Anaïs Favron qui est avec moi, Anaïs. Oui, Pierre. Oui, on est ici, nous, sous la protection de notre bunker, oui, depuis 6h-10, on début est d'émission. Et on a de la belle visite. Oui, absolument. On va avoir de la visite à vous présenter dans quelques instants, soit les trois accords qui seront d'ailleurs live acoustique dans vos oreilles dans les prochaines minutes. Mais Anaïs, oui, on pense qu'on a sauvé notre peau, mais c'est jusqu'à midi 21 minutes. Que l'on peut, que tout peut arriver au sujet de la fin du monde. Absolument tout. D'ailleurs, notre grand testeur de fin du monde, oui, Philippe Bond, est de retour à l'extérieur de la station. Il prend une chance énorme, oh oui, pour nous et pour vous, les auditeurs. Philippe? Ah, oh oui, Pierrot, je suis ici, là. Et quelle inconscience. Et t'es accompagné de qui, Philippe? Non, je suis avec une poule. Oui. OK? Non, mais ben on parle bien sûr de l'animal. Oui, de l'animal, Pierrot. Oui. Elle semble bien réagir. Oui. Et mon Dieu, elle m'a adopté. On saillit pas. Ça va très bien. T'as vraiment une poule dans les mains? En fait, c'est pas moi qui la tiens. Ça dérange pas trop. OK, mais je peux te dire une chose. Est-ce qu'elle respire, la poule? Bouge pas. Non, elle ne respire pas. Mais quand elle respire, tout va bien, ouais, Pierrot. Tout va bien, OK. Donc, je suis avec présentement une massothérapeute, Pierrot, oui, et une avocate. Alors, bonjour mesdames, ça va bien? Oui. Salut, ça va? Oui, OK, là c'est le temps de vous floguer. Ton salon de massage, massothérapie, ça se retrouve où? C'est sur la rive sud. C'est ça, moi je suis à Longueuil. OK. C'est ça. OK, à Longueuil, tu veux pas dire le nom? Ouais. C'est le 120 rue Louise à Longueuil. Puis okay, pour me rejoindre, 450-332-5803. Ça, c'est une belle plaque. Pierrot, t'as pris ça en note. Ça, c'est une belle plaque. Je suis avec une avocate de Saint-Jérôme. Quel est ton nom? Vanessa Dupré. Okay. C'est quoi le cabinet, le nom du cabinet? Lalonde Garrity, c'est situé sur la rue de Martigny à Saint-Jérôme. OK. Alors, Pierrot, là, je suis présentement avec une massothérapeute, une poule et une avocate. Oui. Okay. Oh, oh, oh. Et juste pour être sûr. Oui. Je vais marcher un petit peu, je vais me diriger vers l'hôtel Reine-Élisabeth. Oui. On se voit dans 2 heures. T'es niaiseux! 10 piastres, sans poule. T'es niaiseux. Hey, OK, Phil, merci de tester ça pour nous. Pas de problème. Reviens en vie parce que tes amis des trois accords vont être là dans quelques minutes. Oh, okay? Yeah, je reviens pour eux autres. Parfait, vous écoutez le Bunker Energy jusqu'à midi 21 avec Claudine Prévost. Hey, ma belle Claudine. Oui, Pierre. On y va-tu avec du Jean Leloup, nous autres? Ah, oui, donc. On est parti. Le monde est à pleurer sur Énergie dans le Bunker. Ladies and gentlemen. Fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Energy. Oui, en direct du Bunker Energy. Et il y a du monde dans notre bunker pour cette fin du monde. On est toujours accompagné de José Godet. Hey man, il est, oui, désagréable. Mais désagréable, oh, c'est incroyable. J'ai tellement goût de retourner dehors. À lui seul, il vaut la peine d'aller sur les caméras web voir ce qui se passe pendant qu'on n'entend pas. Absolument. Et en plus de ça, les gens pourront voir nos amis les trois accords qui sont là. Comment ça va, les gars? Hey, ça va bien, Charles? Hey, okay. On a Simon, on a Pierre-Luc également qui est là ce matin. Et voyons, Alex, j'allais oublier, excusez-moi. Hey, les gars, en forme? Je vais te dire une affaire, ça a bien été pour la pratique tantôt. Ouais. Ça. OK. Au niveau de l'état des routes, peut-être un petit compte-rendu parce que vous arrivez directement de Drummondville. Tout s'est bien passé? Peut-être pas y aller à Drummond. J'adore ça. Mais là, les gars, si on déroge un peu de Drummondville, ben oui, parce que c'est beau, Drummond. Là. Mais vous en allez en Europe bientôt? Savez-vous les dates exactement?
février du 6 au 24. 6 au 24 février. C'est le temps d'aller nous voler. Si vous voulez aller là-bas, il n'y a pas de slot pour se rendre. Ah ouais, ok, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Parfait. La route est belle. Tu vas la première fois là-bas en Europe? 12e. 12e fois? 12e fois. Ok, ben vous êtes des stars là-bas, là. Ben non, là, mais. Non, mais là, pour visiter. On essaie. Ok, ah! Ok, vous n'êtes pas allé jouer. Mais là, cette fois-là, là, toute le, vous montez là quand même pour une bonne période de temps. Il y a beaucoup de spectacles de prévus, là. Ouais, mais à toutes les fois qu'on y va, c'est entre 6 puis 10 spectacles. Ça va être la deuxième fois qu'on y va vraiment pour une quinzaine de shows, là. Avec ouais. tout le stock au complet, là. Puis, let's go, on s'en va. Tu diras, c'est la Tour Eiffel? Ouais. Ok. Il est pas innocent. Il est même pas dans notre équipe là. Hey, comment ça il travaille chez ici. Excuse, Pierre. Oui. J'aime ta grand-mère. Oui, ben ça s'en vient. Moi aussi, j'adore cette chanson là. Ça s'en vient dans quelques minutes. D'accord. Et d'ailleurs, ça va bien hein, au niveau des réactions de cette tune là et également là de l'autre que vous savez. Bamboula. Bamboula. Peut-être pour dire Babouchka, mais là. Non. Mais moi, j'adore. Je me touche dans le parc. Ça vient d'où? Qui a décidé d'écrire ça? C'est quoi? C'est sa route, ça. C'est souvent Simon qui se touche dans le parc. C'est ça. C'est moi qui ai influencé le plus cette chanson-là. Avec les gars, on va pouvoir vous entendre tout à l'heure avec J'aime ta grand-mère. Merci. Regarde, la vidéo est extraordinaire. D'ailleurs, il est sorti, ça fait quoi, 2 semaines. Puis je parle, quand il est sorti, je l'ai écouté 4-5 fois. Tout le monde se pose la question, est-ce qu'on peut savoir, est-ce que c'est vraiment une de vos grand-mères? Oui. C'est la grand-mère d'Alex, en fait. Ah oui? J'ai une histoire d'amour avec. C'est la grand-mère. On peut en parler, mais là, Simon, tu viens de t'ouvrir, merci. Ouais, ben, c'est parce qu'en fait, avant, on parlait pas de nos vies personnelles. Puis là, vraiment, sur cet album-là, on a décidé de faire un coming out puis d'en parler. On s'ouvre. C'est fantastique. Nous ouais, c'est fantastique. C'est la grand-mère d'Alex, mais la blonde de Sim. Ouais. C'est ça? Okay, exactement, okay. T'as tout compris. C'est bon. Hey, nous autres, on s'en va avec RBO en musique. On est toujours absolument dans le bunker énergie. Et dans quelques minutes, restez branchés, allumez vos caméras web également, allumez ça. Parce que vous allez pouvoir voir live sur Énergie dans le Bunker Énergie les 3 accords. Yeah, venez d'entendre RBO avec ses nonos Noël. Il y a un beau montage qui s'en vient. Il y a Fun, Imagine Dragons, Adele qui est là dans quelques instants. Et la promesse Énergie, la promesse du Bunker Énergie va se réaliser. Ouais. Une troisième performance live s'en vient dans notre Bunker Énergie. Nous avons eu Maya Léa. Oui, hein? un peu plus tôt. Nous avons également Karim Ouellet qui nous a fait ça tout à l'heure. Et là, les 3 accords sont là, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, dans les prochaines minutes ici dans votre Bunker Énergie qui se poursuit jusqu'à midi 21 avec la collaboration de la belle Claudine Prévost. Oh yeah! Ah oui, nous je suis là! Elle est certaine. Allez, restez branchés, on se retrouve tantôt! 2013, les plus gros shows se donnent rendez-vous à Montréal. 2013, le Centre Bell et Énergie accueillent Pink, Muse, Bon Jovi et Maroon 5. Gagne tes places sur radioénergie.ca. Tous les shows, tous les hits. NRJ. La fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Énergie. Oui, en direct du Bunker Énergie. C'est à midi 21, pardon, pas midi 12. Ben mettons qu'on sort d'ici à midi 12, on peut peut-être mourir. Ben oui, c'est ça, t'oublies, tu sors, puis là, pouf, Pierre. T'as fait dans le bunker tout ce temps-là, puis tu midi peux mourir. 21, mais jusqu'à maintenant, ta santé va bien, Philippe. Moi, ça va, à date, là, ouais, j'ai pissé fluo, mais... Mais ça, c'était comme ça avant. Ouais, c'était comme ça avant. T'es un gars de Laval, le fluo te va tellement bien. Hey, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, on vous a promis ce matin d'avoir Karim Ouellet, on l'a eu. On vous a promis également d'avoir Maya Léa. Elle est venue, elle a chanté live. Et on vous a promis les 3 accords. Et ils sont avec nous ce matin, ils sont ici en studio. Des amis rendus, des amis personnels de Philippe Bond. Ah, moi, là, sérieusement, on a fait bel et bas ensemble. Et oui. Ils m'ont pas invité à venir chanter avec eux autres parce que je suis trop mauvais. Mais vraiment, on a eu du fun. Ils ont fait 3 tunes aussi, je pense, à bel et bas. Ouais, absolument. C'était le délire dans le public. Fait que ça va être la même affaire à matin. Puis, ça se peut que je te réserve une petite danse. Ouais, mais la seule chose dont ils ne se vantent jamais, c'est leur participation à l'album Tel Quel, Pierre Pagé Tel Quel. Ah, alors que l'on avait fait Hawaïenne. Oui, absolument. Ils avaient oublié. Oui, les gars voulaient pas s'en souvenir. Ah, c'est vrai. Ça, en tout cas, ça avait bien été mon album. Peut-être pas leur carrière. Non, ça n'a pas aidé. C'est avec plaisir, ici à Énergie, qu'on vous les offre ce matin. Oh yeah! En version acoustique.
Ils sont descendus de Drummondville. Simon, Charles, Alex, Pierre-Luc, voici vos trois accords. J'aime ta grand-mère. Je veux d'un amour qui se passe de commentaires. Je veux refaire le tour en passant par en arrière. Je veux qu'aujourd'hui soit encore plus parfait qu'hier. Et les mains dans les airs, je ne peux plus me tâcher. J'aime ta grand-mère, je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirais j'aime ta grand-mère. Nous partirons ensemble pour en hiver, nous roulerons comme des flèches dans le désert. Les poumons remplis de quelque chose de sincère. Et la crème solaire, la fumée, la poussière. Le front en sueur dans la chaleur de la lumière. Le bruit du moteur et les roues qui lèvent la terre. Partout l'odeur de notre bonheur d'être une paire. Et au loin derrière, les chants des supporters. J'aime ta grand-mère. Je veux que ma première soit sa dernière. Je dirais que j'aime ta grand-mère. Je veux faire à ton père plein de demi-frères. Je dirais que content d'ailleurs. Oh yeah. Écoute, les trois accords ont une portion musicale importante dans la programmation d'Énergie. Merci beaucoup les gars d'être passés ce matin. Merci. Bonne période des fêtes. On vous souhaite de ne pas mourir d'ici midi 21. Merci, je vois dans votre œil que vous avez de l'inquiétude, mais on va essayer de passer. Tu sais, ils vont nous faire d'autres tunes en plus. Oh, ouais, ça fait mais que... non, mais vraiment, moi, là, regarde. Je viens d'avoir ma grand-mère, là. Je suis tellement ému. Tout strip à présenter cette tune-là. Hein? Ben oui, je la présente à tous les matins. Puis là, regarde. Philippe, j'aime ta grand-mère. J'aime ta grand-mère. Ah. C'est excellent. Avec un petit... petit pas de danse, cha-cha, là, ça me fait toujours bien plaisir. Tu te caractérises. Oui, parce que c'est vrai, c'est un cha-cha. Oui, c'est un cha-cha. C'est un cha-cha. Je me suis pas trompé. Ah ouais. Oui, un rumba. Un continental. C'est une chanson. Oui, je danse le la même manière. Ils dansent toujours selon le Gangnam Style. C'est ça, de toute façon. Merci, Claudine, de venir me sauver. Oui, on se pose qu'on s'en allait. Hey, on est toujours dans le Bunker Énergie et ça se poursuit dans les prochaines minutes. On est là jusqu'à midi 21 avec Claudine Prévost ici et on va retrouver les trois accords tout à l'heure. Restez là. Oui, ouais. La musique de Linkin Park, ça vient avec Indiana ici. Y a-t-il toujours quelqu'un à l'écoute? La fin du monde, c'est encore drôle. Jusqu'à midi 21, live du Bunker.
Bunker Energy, Pagé, Bande, Anaïs Favron et 21 corps de métier prêts à rebâtir la planète. Papa, t'as vu? Qu'est-ce que c'était? 94.3 Énergie. La fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Energy. Oui, en direct du Bunker Energy, Pierre Pagé qui vous parle avec Anaïs Favron, oh, Philippe Bande, oui. Tous les membres de l'équipe, les trois accords qui sont en train de changer leurs instruments. Oui, exactement. Hein, tranquillement. Et toujours en acoustique, on les aura dans les prochaines minutes. Elle s'appelait Serge. Oh mon dos. Oh, on l'aime. Voyons donc. Moi, c'est ça des hits. Non, c'est mais ça, c'est ça. C'est un ouais. problème, ça. Moi, je les aime toutes. C'est ça, là, c'est ça. Tu sais, je peux même pas dire, voilà, la salle de bain. Non, on s'en mais les gars, ils ont mis vraiment tous leurs instruments. Oui, c'est cool. Je savais pas qu'on allait avoir des percussions, mais écoute, c'est hallucinant. Oh, puis t'as le fameux. Oui. Ça, j'adore ça. Absolument. C'est des œufs. Ouais, ça s'appelle un œuf, ça, ouais. Pierre. C'est oui. fou, Red. Oui, c'est fou, fou, fou. J'ai pas la même affaire que moi. J'essayais, Claudine, de lui montrer les œufs de poule que l'on a. Ça fait pas le même son. Ça fait pas le même son parce que nos poules qui sont dans le Bunker Energy ont pondu. Vraiment, là, c'est ça. Deux reprises. Oui, oui. Ben oui, oui un œuf bien chaud que tu vas manger demain, Pierre. Au maximum demain, oui. C'est des œufs assez bruns, hein. Ouais, c'est brun. C'est là. C'est de là que ça vient. Oui, c'est de là que ça sort. D'après moi, si on les nettoie, ils sont blancs, mais. On va passer au Javex. Oui. Hey, Claudine, on s'en va en musique avec Kay, n'est-ce pas? Oui, mais t'as le curé Poirier qui vient nous faire un petit tour avant. Oui. Ok, bon, je m'agenouille immédiatement. Let's go. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi. Oui, oui, oui. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Oui. C'est toi? Vous voilà tous réunis dans le Bunker Energy. Je vous salue, Marie, pleine de notre Père. Donnez-nous aujourd'hui notre Vierge de ce jour. Non, je ne suis pas digne de te recevoir, mais que celui qui n'a jamais péché me lance le premier lépreux. Au nom du Père, du Meuble et du Saint-Esprit, amen, mes culottes sont pieds. Mon chemin, c'est toi, Seigneur. Oui, c'est toi. La fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Energy. Plus on approche de l'heure fatidique, soit midi 21, je sens une nervosité grandir dans l'équipe de C'est encore drôle et également au niveau de Claudine Prévost qu'on ne voit pas dans le grand studio, mais qui quand Je suis là, Pierre. Oui, est-ce que tu tiens le coup, Claudine? Pierre, je veux juste vous annoncer qu'il y a des gros flocons de neige qui tombent à l'extérieur en ce moment, mais vraiment de la grosseur de balles de golf. Oh, wow. Je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas, Pierre. Écoute, on le saura d'ici midi 21, c'est l'heure limite. Ça veut la nature dire que... se déchaîne. Tu te dis que si on meurt pas, on va se faire chier à pelleter de la soirée. Oui, oui. Donc, entre les deux, lequel choisir? On est confus. Oui. Dans quelques instants, vous allez avoir en reprise, à la demande générale, le jardin secret d'Anaïs. Ouais. Spécial à nous ramasser ce matin. Spécial pitchon sur des collègues. Oui, oui, c'est assez gentil. C'est pas pour toi qu'on va mourir. Parce que... Mais auparavant, on a un super beau montage, ma belle Claudine. Oui, on va entendre la musique de Philip Phillips avec Home, Foster the People, et on commence avec Mumford & Sons. Dans le Bunker Énergie. C'est bon pour vous? Yes, oui. Sir. Je t'aime. Je t'aime. Oui. 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 Le jardin secret d'Anaïs. Oh yeah, le jardin secret de fin du monde. Oh ben, c'est la fin du monde, puis je me suis dit que j'aimerais mieux mourir la tête vide et le cœur léger. Alors les gars, il y avait des choses que j'ai notées depuis que je travaille avec vous, puis que je ressentais le besoin de vous dire avant qu'on s'en aille tous. Faire attention quand même. J'ai pris des notes parce que c'est pas fin, puis les affaires pas fines, je m'en rappelle pas toujours par cœur. Alors Pierre, j'en ai jamais rajouté parce que les gens du public et les collègues l'ont assez fait, mais pour vrai, c'est pas parce que je suis une fille que j'apprécie les photos de bébés animaux que tu mets sur Facebook. Ben voyons donc! Pierre, c'est quétaine des photos d'animaux, c'est moche. Puis quand je te disais « Oh, cute! » c'était vraiment juste pour être gentille. Ce que je voulais dire, c'est « Je vomis sur tes petits animaux, Pierre. Il y a rien de cute dans un bébé hérisson. Si lui, il te voyait, le bébé hérisson, il t'enverrait des aiguilles d'en face, puis je te jure que ça serait pas mal moins cute. » Ouais, mais il y a ce carré! S'il y a une raison qui me fait apprécier la fin du monde aujourd'hui, c'est parce que je me dis que c'était ta dernière photo de chien déguisé que je voyais, puis il fallait que tu le saches.
Mais merci, OK. Martin, toi, une chance que c'est la fin du monde. Parce que ça t'évite de faire du diabète de type B dans les prochains mois. J'ai jamais vu quelqu'un manger autant de cochonneries avant que le reste de la population soit levé. Il est pas encore 8 heures pis t'as déjà gobé les calories d'une journée complète de tous les habitants de Mirabel. Tu consommes du sucre comme s'il y avait pas de lendemain pis aujourd'hui, c'est la première fois que t'as raison. Pis en passant, j'haïs ça le football. Quand je te regarde en hochant la tête pis que je dis « Ah oui, hein? » c'est de l'extrême politesse. Contrairement à toi, j'éprouve aucun élan de passion en regardant des obèses en leggings se foncer dedans. Je voulais que tu le saches. Okay. Je le sais. Est-ce que je suis épargné? Philippe Bond! On n'a plus le temps! Philippe, faut que je te parle de tes records du monde. Okay. Philippe, c'est pas des records du monde, c'est de la marde que tu fais. C'est n'importe quoi. Si remplir ton t-shirt de saucisse te rend vraiment heureux, c'est la preuve que Dieu existe et que la fin du monde n'arrive pas pour rien, mais pour en finir avec tes niaiseries. Tout le monde est capable de courir avec un œuf dans une cuillère, surtout quand il est collé dans le fond. Ta gueule, Pavron! Pis tout le monde peut manger vite des patates pilées faites avec trop d'eau. C'est pas vrai que t'es hot, c'est pas vrai que t'es bon, t'es un gars ordinaire, drôle peut-être, mais crissement ordinaire. T'es peut-être habile avec tes orteils, mais ça, des orteils, ça m'écœure, fait que ça m'impressionne pas. Au contraire, puis je voulais que tu le saches. Les gars, je peux maintenant partir en paix et mourir l'esprit libre pour enfin aller me reproduire avec le premier des trois accords qui veut. Oh, hey, on a mangé une maudite. Hein? Oui, OK. Ben, garçon, meurs pas, là. Attends-toi à une réplique en janvier. Oui, ça meurs pas, trouve-toi une job. Un contrat d'un an, non? OK. Anaïs Favron, mesdames, messieurs. Y a-t-il toujours quelqu'un à l'écoute? La fin du monde, c'est encore drôle. Jusqu'à midi 21, live du Bunker Energy. Pagé, bande, Anaïs Favron et 21 corps de métier prêts à rebâtir la planète. Papa, t'as vu? Qu'est-ce que c'était? 94.3, énergie. Énergie. Personne ne devrait être tout seul pour les fêtes. La radio de tous les hits. 94.3, énergie. Oh ben, hey, Noël, moins que 15 lieux, ça en fait des mulots emballés sur ta dernière. C'est Noël, les petites boules sont toutes swells. Garde-moi les plus grosses, ou sinon je te casse. Je vais les gâter plus que Santa Claus. Je te swing une chaise d'un genou, c'est de même qu'on fête chez nous. Pardon, nous autres c'est janvier, ha! On est sur le party. Et tous les gars dansent sur un madrier. Voilà qui crouse la fée des glaces. Dans mes shorts, j'ai caché son foulard. Hey, regarde-le. Wow, mais c'est des beaux patins à glace. Sont-tu neufs parce que je trouve qu'ils sentent fort. Il est rasé, mes clochettes. Pour que Mika me trouve coquette. Wow. Moi, je vais célébrer les amis copains. Bonjour à tous, ici Gérald Tremblay. Qu'est-ce qui se passe là, hein? J'entends chanter, ça danse partout. Oh, on me dit un suspect du réveillon? J'ai jamais entendu parler de ça, un suspect. Hein? Avez-vous des preuves? Devinez ce que je pense pour le réveillon. Un rôti de palette comme de raison. Le butternet. À Noël, nous, on n'est jamais gâtés. C'est normal puisqu'il faut en parler. La neige belle, comme cadeau, j'y achète une belle. Ça chante avec Birdie et chante à Lucy. J'ai vu ma bande assez crazy. Salut, c'est Micheline Langtieu. Noël en prison, c'est pareil comme à l'extérieur. Sauf qu'au lieu d'avoir juste une matante cochonne, il y en a 125, c'est la procédure. Salut, c'est Maurice Alloui. Moi, je m'en vais à l'église voir la chanteuse acadienne Lisa Leblanc. C'est elle qui chante Minuit chrétien, c'est de la marde. Y'a grillé. Le vendredi 21 décembre 2012, lorsque le soleil se lèvera, ce sera alors le début de la fin du monde. La fin du monde, c'est encore drôle. 94.3, énergie. Le bunker le plus fou à Montréal. Énergie, prêt à repeupler la planète. Le monde tel que nous le connaissons est sur le point de disparaître. La fin du monde, c'est encore drôle. 94.3, énergie. C'est avec une émotion certaine. J'aimerais vous mentionner qu'il est actuellement
11h17 minutes. Ouf, dans presque donc, une heure. Ah ouais, 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 ouais. Dans une heure, trois minutes, eh bien, on s'en sera sorti de cette fin du monde. Mais tout n'est pas encore gagné. Non. Il faut le mentionner. C'est à midi 21 que ça va se jouer. Il peut encore se passer plein de choses. Mais tellement, il se passe tellement de choses. Il y a une certaine magie. Il y a un certain espoir ce matin qui règne en studio parce que nous allons procéder bon, à un échange de cadeaux. C'est fantastique, c'est la première fois que l'équipe de Stan Cardrone, en 13 ans d'existence, se fait un échange de cadeaux. C'est vraiment la fin du monde. Nous autres, on vit ça chaque matin, il est toujours excité comme ça. mais pour rien, là, il y a un fret en ce moment, mais Pagé, t'es le seul qui est content. Inquiétez-vous pas, je suis médicamenté. Ok, bon, okay. Let's go, on commence avec les filles. Anaïs, Pige en premier. Les filles. Vas-y. Ouais, parce que... Attention. Pierre! Oh! Pigé! Vas-y, Pierre, vas-y, prends le micro sans fil. Je vais aller chercher ça, moi, le petit cadeau ici. Et je vous rappelle que ce sont des cadeaux plus âgés. C'est mon cadeau! Mais tu vas adorer! Vas-y! Écoute, j'ai bien pris soin de l'emballer et tu vas tellement être content! C'est la ceinture électronique Absolution! Pour mes abdominaux! Pour tes abdominaux! C'est vrai, parce qu'on trouvait qu'il commençait à avoir un tailleur. Je l'ai testé moi-même, et depuis ce temps, j'ai plus de poils plus bien. Tout a brûlé. Tout a parti. Alors, il n'y a pas d'effet secondaire. Merci beaucoup. OK, Martin, vas-y. Ça a l'air niaiseux, mais c'est apprécié. Tu vois ça, Philippe? Excusez. Moi, je prends le gros. Je prends le gros, je suis un enfant. Tu prends le gros? C'est donc, tu prends le mien? Oui, je prends le tien. Attends un peu. Mais tu l'emballais avec une nappe de Noël. C'est mon excellente Josée. OK, c'est Josée. OK, c'est parti. C'est un vrai. Tu devrais apprécier. Je vais pas donner pour vrai ton abdo. Oui! Arrête donc! Tu me le donnes, j'ai envie. Eh oui, le abdo over twist. C'est bien drôle. Écoute! On a deux gars pas en forme qui s'échangent des trucs qui marchent pas. Mais on a pas du tout besoin d'abdominaux. Écoute, on est pas des atomes crochus. Ce qui me surprend, c'est que celui que t'as donné à Pierre vaut 10$ et celui-là vaut 200$. 200$, quand je vous dis que c'est la fin du monde. C'est plus cheap, là. T'es guéri. Celui-là, il fait de la poussière. Oui. Une autre pige. OK, chante-moi, attention. Anaïs Favron! Anaïs! Il te reste le mien, Furlat, puis le tien, mais moi je prendrais le tien. Prends pas de chance, prends le tien, Favron! Hey. Mon cadeau est pas pigé! Non! Hein? C'est cadeau à qui ça? Ça vient de André Furlat! Oh, c'est André de Furl! Et je pense qu'il y a un message! Oh! Mon dos! C'est des choses qu'on voulait se débarrasser de chez nous en passant. C'est un montage de couches pour nouveau-né! Hein, Favron! Mais mon dos! Quand on va dans un shower, bébé, on fait souvent des montages, papier de toilette, couches. Oh, c'est des couches de Nemo! C'est un message à mon copain à la maison. Ben oui, puis pas juste ça va rendre visite à tes grands-parents aux fêtes, fait que c'est merveilleux. C'est peut-être si t'enfantes pendant le bunker. Intéressant. Hey, les gars! Ça va s'appeler. André Pichat. Premier échange de cadeaux. Furlat, tu fais pigé. Alors, Furlat, le mai ou le cadeau d'Anaïs? Faut qu'il prenne le mien. Oui, c'est vrai. Tu vas être pogné. Ben oui. OK, attention. J'ai à dire que j'ai déneigé sur le bord de la route en m'en venant. Le gars, il pige son cadeau. Ça va mal. Hey, moi, je suis tellement content. OK, attends un peu, pourquoi tu ris? Qu'est-ce qu'il y a? Furlat est crampé. Quel cadeau de merde! Effectivement, moi, on m'a dit qu'on donnait un cadeau de merde. Écoute, Anaïs a tellement eu le mot juste. Oui. Elle a dit une boîte à pain extrêmement pratique oui. pour mettre du pain à l'intérieur. Juste avant d'y aller avec Martin Lemay, je tiens à préciser qu'après tous ces cadeaux-là, j'en aurai un dernier. C'est une surprise que je fais. Alors, une fois maintenant, c'est Martin Lemay. Merci beaucoup. Alors, tu piges le cadeau d'Anaïs. À moi, on avait dit quelque chose dont on voulait se débarrasser, mais j'ai rien trouvé. Alors, j'ai donné quelque chose qui est très précieux. C'est un livre. Et le livre se titre Noun. C'est Noun, l'enfant de la préhistoire. C'est un livre qui n'est pas disponible au Canada, vous serez surpris, ça se vend uniquement en France. C'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Noun. Y a-t-il du sport là-dedans? Non, mais tu vas voir les aventures de Noun. Bon, mais ça complète pour notre... Attendez, je tiens à dire, on a une nouvelle... dans l'équipe depuis cette année, Anaïs. Oui. Et vraiment, t'es apprécié de tous. Okay. Alors,
Les trois Philippe de la station, on a formé qu'un hier soir. Les Branch, Philippe Branch, Philo Lirette, Philo Lirette et Philippe Band. Nous nous sommes cotisés pour t'offrir, mesdames et messieurs, la poupée gonflable de Justin Bieber. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Et mais voyons! Oh, je capote! Mais attention! C'est pas vrai! C'est le Justin Bieber! Mais, ah, mais je suis extrêmement touchée et comblée en cette journée internationale de l'orgasme. Je vais devoir quitter les ondes et tout de suite aller essayer mon cadeau. Je suis comme un enfant le 25 décembre. Mais moi, ce que j'adore, c'est de l'avoir partir à pied parce qu'elle habite à côté avec Justin Bieber gonflé et des sacs de couches. Hey, Claudine! Claudine, je sais pas si tu vois par la caméra web. Je suis jalouse, écoute, Pierre. Le Justin Bieber poupée gonflable pour Anaïs, il est fantastique. Hey, merci. Quand une poupée gonflable est plus grande que toi, c'est parce que t'es pas grand. Écoute, un gros merci aux deux filles. Il est un peu mou, par exemple. On je vais m'en occuper. Oh, déjà, on voit une nouvelle extension. Une nouvelle extension. Hey, Philo Lirette, merci d'être passé aujourd'hui. C'est un bonheur. Oubliez pas, les gars, sortez pas tout de suite. C'est à midi 21 qu'on peut retourner dehors. Claudine, ça a été extraordinaire. Écoute, on va écouter tout de suite la fin du monde sur Énergie. De Xavier Caffeine, on est tout à fait dans le temps, Pierre. Dans le bunker. Oh yeah, thank you les fils. Ouais, c'est la fin du monde en temps. Hey, le Justin Bieber qu'on a en studio, là. Oh, il est mou. Pas sûr qu'il est de même en vrai. Je m'amuse avec mon cadeau. Oui, t'es déjà en train de tout déballer, hein. Hey, vous écoutez, c'est encore drôle en prolongation dans le show de Claudine Prévost spécial. Oui, mon cher Pierre. Spécial Bunker Énergie. Et là, écoute, dire une affaire, on s'approche de midi 21, là. Tranquillement, dans moins d'une heure. Ouais. On a un montage qui s'en vient, Claudine? La musique de Sugar Ray, de Bruno Mars, de Pink également, Try, que j'ai envie de dédier à Anaïs pour son bon plaisir avec Justin Bieber. Parfait. Hey, on a aussi les trois accords qui s'en viennent avec Elle s'appelle Serge. Ils seront live en studio dans le Bunker Énergie dans les prochaines minutes aussi. Ça va être bien du fun. Hey, merci tout le monde d'être encore en studio. Merci la gang! Énergie accueille Lady Gaga à Montréal. Hey everybody. Le 11 février prochain au Centre Bell. I can't wait. Les billets sont au radioénergie.ca. Le Born This Way Ball s'amène à Montréal. Énergie. 94.3. La fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Énergie. Ah, c'est pas compliqué. Il reste exactement 41 minutes avant de déclarer la planète sauvée par, bien sûr, la radio Énergie, le Bunker Énergie. Nous y sommes toujours présents et enfermés depuis 5h50, si ce n'est exception faite de quelques présences à l'extérieur de Philippe Band de ce matin. On a essayé de le perdre, ça n'a pas fonctionné. Retour avec nous. Il n'est pas mouru. C'est toujours la zizanie à l'extérieur. Oui, absolument. Hey, et vous savez qu'on a, on a rencontré récemment un spécialiste de fin du monde qui s'appelle Sébastien Gauthier. C'est un communicateur scientifique spécialisé en astronomie et en astronautique. Et il va nous expliquer pourquoi, en ce que nous en sommes, pourquoi on en est venu à parler de fin du monde. Ben oui, pourquoi? Pour le 21 décembre. C'est un spécialiste, là. Il connaît ça, là, lui. Pas un maillot, là. Il donne des conférences sur lesquelles. Écoutez bien pas ça. Pas un maillot. Ben, la date du 21 décembre, elle provient du fait que, à l'intérieur du calendrier maya, il y a un chiffron qui arrive au 21 décembre 2012. Alors, c'est un peu comme le 1er janvier de l'an 2000. Et donc, dans le calendrier maya, cette date-là, c'est 13.0.0.0.0. Donc, vous voyez, c'est vraiment un chiffron. Et en plus, le nombre 13, pour eux, c'est quelque chose d'important. Et cette date-là, 13.0.0.0, ça correspond à 5125 ans. Et selon leur mythologie, à eux, le monde, l'univers, la Terre, le monde dans lequel on habite, aurait pris 5125 ans à être créé par les dieux. Alors, c'est l'anniversaire de la création du monde, là, en plus d'être un chiffron. Donc, pour eux, c'est vraiment une fête. Et là, il y a tout un mouvement Nouvel Âge dans les années 80, donc ça date pas du tout là, de 5125 ans. Donc, dans les années 1980, on va commencer à se dire, ah ouais, mais là, vu que le calendrier maya arrive un chiffron, 2012 pourrait être la fin du monde, etc., etc. Donc, moi, je suis pas du tout inquiet là, pour ce soir. Oui, il y a quelque chose qui se passe dans le calendrier maya là, à célébrer. C'est un anniversaire, mais c'est pas du tout là, la fin du monde, à mon avis. Là. Donc, moi, je vais faire mon spectacle ce soir là, sans aucun doute. Ah, et donc, il le mentionne, Sébastien Gauthier, qu'il sera en conférence ce soir, conférence à la fin du monde. Comment survivre au discours pseudo-scientifique
sera présenté ce soir, là, donc à la salle Sylvain Lelièvre du Collège Maisonneuve. Si, comme moi, vous n'avez manqué un bout dans son explication, allez-y à la conférence ce soir. Là. Mais là, vous allez peut-être mieux comprendre. Il y avait quelques zéros. Là. Moi, de ce que j'ai compris, on vient de se faire fourrer, on a payé de ce bois, tout le monde va rire. Ouais. Hey, c'est bon, on les salue, les gens de Subway qui sont avec nous. On n'est pas venus ici pour rien. J'ai une poupée gonflable de Justin Bieber. Et on n'est surtout pas venus pour rien. Écoute, que, on a les trois accords. J'ai la belle visite. Oui, absolument, les trois accords qui sont avec nous pour une autre performance acoustique. Et écoute, les trois accords qui vont être en spectacle, t'as vérifié ça. Ils ont plusieurs dates à partir du mois de janvier. Ils commencent à ma fête le 11, évidemment. Ils ont pensé à moi. Puis après ça, 18, 19. C'est ta fête le 11? Oui, c'est ma fête le 11, Pierre. Mais oui, je le suis. On en parle. Mais qu'est-ce qu'on s'en sac? Je t'en prie de parler des trois accords. Là. Okay. Et ils vont faire leur grande rentrée montréalaise au mois de mai, 2, 3 et 4 mai au Théâtre National. Mais surtout, si vous avez une chose à faire avant de mourir, avant la fin du monde, juste avant d'avoir dit adieu à vos proches, allez vous procurer l'album J'aime ta grand-mère. Il est excellent du début à la fin. Ben oui. Je vais aller sur iTunes tantôt, là, là. Mais ils sont live ce matin, acoustique. Ils sont là avec nous, les quatre en studio. On est très fiers de les accueillir pour une deuxième fois parce qu'on va en avoir une troisième. Hey, on est vraiment gâtés ce matin. Les voici, les trois accords. Elle s'appelait Serge. Avant de s'appeler Bianca, mais les confitures de canneberge et les compotes d'Atouka sont synonymes dans le dictionnaire. Dans le dictionnaire, elle s'appelait Serge. Du lundi au lundi. À part de s'appeler Bianca, mais les mots qu'elle prononce m'aspergent comme une fontaine de nougat, de métaphores alimentaires, de métaphores alimentaires. Elle s'appelait Serge du lundi au lundi et de midi à midi. Elle s'appelait Serge. Du lundi au lundi et de midi à midi, elle s'appelait Surtout, les trois accords ne nous lâchent pas. Dans quelques minutes, ils seront de retour ici sur Énergie, dans le Bunker Énergie. Écoute, c'est d'ici midi 21, là. Regarde, on est encore là, nous autres. Que ça pète ou que ça pète pas. Nous autres, on se la pète. Absolument. Bam Boula, la prochaine tune avec les trois accords ici sur la radio de tous les hits Énergie. Summer Paradise, tout de suite. OK, Simple Plan. Let's go. Je peux vous servir? Je vais te prendre une joke, take out. La joke take out. Oh yeah! Surprise, funny! Pour la première fois,
fois devant public. Oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ici Pierre Paget, je suis fier de vous présenter l'humoriste de l'année 2012, monsieur Philippe Barre. Ah oui! OK. Hey, merci Burette pour le Jive Bunny, là, je suis en feu. OK. Ah, ouais, ouais. Mon premier gag sera un gag de Noël. Il n'y a pas d'avertissement parental. Ah, non, pas, pas bien. Ce matin, non, donc non. C'est ouvert à tous. Exactement, oui, je ne sais pas s'il y a avoir des enfants, puis tout ça. Fait que, premier gag, c'est un gag de Noël. Deuxième sera un gag de fin du monde. OK. OK. Alors, c'est le jeune. Il arrive au bureau de poste au village, puis là, il est le 21 décembre, tu sais. Fait ah, que, oui. Il arrive au bureau de poste, puis il dit bonjour, et dit, je m'en viens chercher mon colis, tu sais, mon, okay. mon paquet. Okay. Fait que la femme a dit, OK, elle dit, c'est à quel nom? Ben, il dit, Jérémy Duguay. Fait que, OK, donne le paquet. C'est une boîte qui est enveloppée avec un chou, tout ça, puis un ruban, tout ça, oh, une belle boîte. Beau. Fait que là, la femme a dit, ah, c'est un cadeau de Noël de tes parents, j'imagine. Elle dit, oui, c'est de mes parents, mais c'est pas un cadeau de Noël. Elle dit, c'est ma fête. Et je suis né le 21 décembre, c'est ma fête aujourd'hui. Ah, elle dit, OK, elle dit, quel âge as-tu? Et j'ai 24 ans. Ah, ben, bonne fête. Fait qu'il développe son cadeau, tout ça. Là, il voit, c'est un foulard, des mitaines, puis une tuque. Fait qu'il met tout ça, puis il part, il dit ça à la fille à la poste, puis il s'en va à l'arrêt d'autobus. Il arrive à l'arrêt d'autobus, puis Anaïs Favron, elle arrive à côté. Anaïs, elle regarde. Qu'est-ce qu'elle fait dans un gag? J'ai aucune idée. Anaïs, elle regarde le jeune, puis elle fait ça serait pas ta fête, toi, par hasard? Le gars, il fait hein? Oui, il dit comment ça, c'est ça? Anaïs, elle dit j'ai un don. Elle dit moi, je devine les fêtes. Elle dit même qu'en tâtant tes testicules, je suis capable de savoir quel âge tu as. Ah, ça, c'est vrai. Fait que là, le jeune, il fait... le jeune fait... Ah ouais, mais là, il dit, je sais pas, là. Elle dit, veux-tu te dire ton âge? Mais là, il dit, c'est parce que là, on est dans la rue, là, t'es à l'arrêt d'autobus, là. Ouais. Elle dit, ben, elle dit, il y a personne autour. Elle dit, laisse-moi, je vais te dire ton âge. Ouais, puis ça dérange pas. Ben non, ça dérange pas. Public, pas public. Fait que là, le gars, il fait comme, bah, mais c'est correct. Fait que Manaïs, ça part, puis elle tâte les testicules, puis elle tâte, puis elle est là, puis elle joue avec. Ah ouais, donc elle a du fun, puis elle les tourne dans sa main, puis elle les tourne. Ça fait 5 minutes qu'elle est là, puis elle joue avec ses testicules, puis elle prend un malin plaisir, puis elle joue avec les testicules. À un moment donné, le gars, il fait comme, là, Anaïs, tu vas-tu me dire quel âge j'ai? Elle dit, toi, t'as 24 ans. Hein? Il dit, c'est malade, comment t'as fait pour savoir ça? Elle dit, j'étais derrière toi à la poste tantôt. Oh! Okay. Une excellente joke de tantage. Oui, de tantage. Parce qu'il n'y avait pas d'avertissement parental. Non. J'aurais pu dire bisous de famille. On peut se tenter à tout âge. C'est ça, exactement. Alors, le prochain gag, c'est mon préféré. Attention. C'est la fin du monde, OK? Fait que là, tout le monde est mort. Fait que là, tout le monde attend en ligne devant Saint-Pierre, tout ça. Fait que le gars, il arrive devant Saint-Pierre. Saint-Pierre, le regarde, dis-toi... T'en vas en enfer. Le gars, arrête, tu sais, qu'est-ce que j'ai fait? Non, il dit, tu sais ce que t'as fait, t'as péché, va-t'en en enfer. Le gars, il est tout déprimé. Il arrive en enfer, puis là, il est là dans son coin, puis il est triste, puis il broye. Oui. Venez, Satan, il arrive à côté, Satan, il fait, voyons, non, il dit, qu'est-ce que t'as à broyer? Et là, il dit, je suis en enfer, tout ça. Mais voyons, il dit, mais pourquoi tu broyes? Il dit, tu fumes-tu, toi? Le gars, il fait, ouais, quoi rapport? Mais il dit, c'est les lundis, là, on fume. On fume la cigarette, on fume le cigare, on s'en fout. On peut pas pogner le cancer du poumon, on est déjà mort. Fait qu'on fume, c'est les lundis fumoirs. OK. Le gars, il fait, OK, mais il dit, tu bois-tu, toi? Le gars, il fait, ouais, je bois, tu sais. Ben, il dit, parfait. Il dit, les mardis, c'est, on boit. Ah! C'est les mardis de beuverie, on boit. Tequila, Heineken, pas le temps de niaiser, c'est de la bière, ah ouais, la vodka, tout le gros kit. Momo! Fait que le Momo, pas le temps de niaiser. Pas le temps de niaiser. Fait que le gars, il est tout content. Fait que là, il dit, tu manges-tu? T'es-tu un gars qui mange pas mal? Ah ouais, dis-moi, je mange comme un cochon. Ben, il dit, ça tombe bien. Il dit, les mercredis, on bouffe comme des porcs, on mange du chocolat, puis de sucré, salé, on pas de cholestérol, on s'en fout, on est déjà mort. Le gars, il fait, hey, comment ça aimer ça? Hey, tu drogues-tu, toi? Ah, quand dis-moi, je me drogue, ah ouais. Ah, je fais de la coke, je fais du pot, je fais tout, y'a rien, je fais pas, je fais de l'ecstasy, ah ouais, donc, Crystal Meth, ben, c'est les jeudis, c'est les jeux du drogue. Le gars, c'est clair, hein, c'est, hey, dis, t'es-tu gay, toi? Le gars, il fait, non. Ok, Chris, il dit, t'aimerais pas les vendredis. Il reste 15 secondes. Non. 15 secondes. 12. 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On s'en est sorti! On est vivant! Ouais! Oh, Anaïs, on est correct! On peut sortir du bunker! Tout le monde tourne!
survécu à la fin du monde grâce au Bunker Energy. Ah, fait que là, personne ne se reproduit? Ah, t'es avec un Justin Bieber gonflable, là. Regarde, hey, êtes-vous content? Wow. Oh, hey, on a eu peur. Oh, t'es carré. On a eu peur, on a travaillé fort. Faut bien changer mes boxers. Hey, on a écouté des chansons de fin du monde depuis ce matin. Ah, c'est incroyable. Mais écoute, puis là, on va changer ça. OK? Au lieu de fin du monde, là, non, c'est... On renaît à la vie. On fait. Laver. Non, les trois accords Bamboula vont s'en venir dans quelques instants. Ben oui, une toute festive. On est en vie. Hey, moi, je suis très content qu'on ait survécu. J'étais inquiet. J'en avais parlé avec Philippe longtemps encore hier soir avant de me coucher. Oui. J'ai tweeté avec Julie Saint-Pierre. J'ai regardé les Instagrams de Philo Lirette. Ça m'a absolument rien donné, mais j'ai regardé quand même. Il a fallu que je te gratte dans le dos pour que tu t'endormes. Oui. L'enfer. Écoute, j'ai même écouté une game de hockey 92-93 pour faire plaisir à Martin Lemay avant de mourir. Et tout de suite après, on fait tirer le voyage au Mexique. Il y avait hâte de partir au Mexique. Écoute, oui, il y aura une personne qui va partir au Mexique dans quelques minutes. Et il y a aussi la prestation, je vous l'ai dit, live des trois accords qui s'en viennent, leur troisième prestation. Et c'est Bamboula. Ah, mon Dieu, la petite bière est sortie. Ben là, Pierre, on est en vie. Ah ouais, c'est vrai. Hey, on a le droit, petite bière. Okay. Ah ouais, on sort la petite bière. Hey, on est sains, sauf. Bravo, énergie. Bravo, le bunker. OK, let's go. Hey, nous autres, on s'en va vers notre pause. On va vous dire que c'est l'émotion qui nous gagne. Oui, bien, et on est de retour dans un instant. Énergie et Musique Plus ont rassemblé les plus gros hits pour vous offrir le meilleur décompte qui soit. Le décompte Énergie Musique Plus 2012. Les plus gros hits qui ont marqué l'année. 2 heures de pur bonheur musical. Terminez l'année en beauté en compagnie de Philo Lirette et de vos artistes musicaux favoris. Le décompte Énergie Musique Plus. Vendredi 28 décembre à 20h30 à Musique Plus. La fin du monde, c'est encore drôle. Live du Bunker Énergie. Ouais, ben on vous confirme que la fin du monde, là, oubliez ça. Il est midi 29 minutes, donc depuis midi 21, Énergie vous confirme qu'il n'y aura pas de fin du monde. Une bonne nouvelle. Donc, la vie continue et se poursuit de plus belle sur Énergie. Là, on a des cadeaux de Noël à acheter, là. Ah oui, là, ben, il faut y aller tantôt, hein? Il faut y aller tantôt. Et nous avons des gens à remercier aujourd'hui, Philippe. Oui, merci beaucoup au Resto Subway. Tout le monde a bien mangé, la gang? Oui! Merci aussi à Poney en fête pour les animaux puis les œufs. Les œufs. Si vous voulez, on reste ici encore jusqu'à demain matin. Non, on fait single, non. OK, c'est bon. Poney en fête.ca pour avoir des renseignements. On vous a dit qu'écoutez, là, on est tellement excités, on renaît à la vie. On a eu des tonnes de fin du monde depuis ce matin. Mais heureusement, là, on repart à neuf, tout ça. Ouais, mais je regrette tout ce que je vous ai dit, les gars. Ouais, mais regarde, c'est dit, hein? Non, mais, on s'en parlera le 7 janvier, mais tu reviens. Le 7 janvier. Hey, mais là, on y va avec notre troisième tonne. Oh, les trois accords, une tonne festive. Ma tonne. Écoute, l'une des meilleures qui joue actuellement sur Énergie. Voici les trois accords live acoustique. Bamboula! Du ravin, je fais du feu et je danse et je tourne autour en vrai, je tourne autour en vrai. Au fond du ravin, je fais du feu et je tourne autour en vrai. Tape dans mes mains, j'entre en état de transe dans la lumière qui scintille, la lumière qui scintille. Tape dans mes mains, j'entre en transe dans la lumière qui scintille. Et puis soudain, comme une envie, je pars du feu dans le fond de la nuit. Et je reviens, je m'habille en nuvante. Et puis je dessine un carré, je dessine un carré. Dès que je reviens en nuvante, je dessine un carré. Dès le lendemain, il est chaudière de cendre. Et je peins des points et des gris, des points et des gris. Dès le lendemain, il est chaudière et je peinture et des gris. Et puis tout l'air comme une envie de faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain comme un
faire du feu dans le fond de la nuit. Et puis soudain, comme un besoin de ne plus rien remettre à demain. Bamboula, nous ferons la bamboula. Bamboula, 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 bamboula, bamboula. Trois accords sur Énergie. Bravo les trois accords. Bamboula, mesdames, messieurs. Oui, on va s'y rendre pour nos trois accords. Merci, trois tonnes ce matin. Bravo. Wouhou. Sur Énergie, merci les gars. Puis bon retour à la maison. Bonne période des fêtes. Joyeux Noël. Bon voyage. Oui, bon voyage aussi en Europe pour votre tournée. Oui, hein, si j'avais oublié de prendre un en Europe, là... Ah ben, appelez-moi. Tanger, là, il est allé. Je suis prêt à aller chanter Hawaïenne. Vous voulez une première partie, organisez-vous. OK, il y a ça aussi, il y a ça aussi. On veut remercier également à ceux qui ont fait des prestations avec nous. Outre les trois accords, Karim Ouellet est venu ce matin également. Et on a eu notre charmante... Il y a Maya Léa qui est venue plus tôt. Oui, absolument. Un gros, gros merci. Vous savez, les trois accords, on va entendre maintenant une parodie en grande première mondiale des grandes gueules qui ont repris votre bamboula. Et on va l'écouter immédiatement sur Énergie. Hey, la fin du monde, ça me fait penser. J'ai toujours raconté l'histoire de la fille dans le bunker. Hey, des murs en béton armés ça d'épais, puis on l'entendait quand même crier. Correct. Coucou, c'est moi, Enrique Iglesias. Et je suis très déçu de ne pas voir la fin du monde. Il attendait ça depuis longtemps, moi, l'apocalypse. On est le matin, hier c'était la fin du monde. J'en crois pas mes deux pupilles. Pourquoi que le soleil brille? Il devrait être éteint depuis son explosion. Mais là le soleil brille. Des Indiens mexicains ont prédit la fin du monde. Puis c'est pas des imbéciles, ni pieds des crocodiles. Les Mayas qui ont pas prédit leur propre fin, c'est pas des imbéciles. Je sors de la cave, crédible sous mon gros masque à gaz et ma combinaison. Y'a pas de crevasse ni de démon. La terre a pas fendu jusqu'au Japon. Encore là. Oui, on est là, encore là. Yes, c'est ça. Ça se peut pas. Tout le monde est là, je le crois pas. Même mon chat, même Varda. Comment ça? Est-ce que la fin du monde a eu lieu finalement? Parce que dans mon pays, ça n'a pas fait beaucoup de différence, bien sûr. J'étais sûr que ça serait la fin du monde, mais je ne regrette pas mes paroles pareilles. J'aime ta grand-mère. J'ai lâché ma job le jour du 20 décembre. Je peux plus payer mes billes. J'ai l'air d'un pauvre débile. Y'a pas de fin du monde, mais là, plus de job, je ne peux plus payer mes billes. J'ai couru tout nu le soir du 20 décembre. Et puis j'ai fait ça au quai, la zone à l'air au quai. Y'a pas de fin du monde, fait qu'une grosse arrêt d'essence pour rien au quai. Je sors dehors, ma blonde s'en va. Elle dit que j'suis un cap d'avoir cru à ça. Oui, mes chéris, attends un peu. Qu'il est pas trop tard pour que le ciel pogne en feu. Encore là, tout le monde est là, encore là. Claude Dubois. Ah mais là, on s'en est sorti, la fin du monde, là, c'est quasiment terminé. D'ailleurs, notre émission, je tiens à faire le tirage dans les prochaines secondes. Ah oui! Tirage au Mexique pour nos gens. Allez, applaudissez-vous, vous êtes dans le bunker depuis très tôt ce matin. Vous avez été fantastiques. Hein? Est-ce que je peux y aller? T'aimerais ça? Écoute, toi... La mayonnaise est plus petite, peut-être ça va être mieux dans la boîte, je sais pas. Oh! Mais j'aime ça faire des gagnants. Elle aimerait gagner. Ben oui, écoute. Toi, tu pars de jour au mois de janvier. J'ai gagné le whiz-quiz. Ben ouais, ah, c'est vrai, t'as gagné. C'est vrai, moi, je gagne jamais rien. Puis là, je vais piger, puis c'est encore pas moi qui va gagner. Ben non, puis c'est les banques qui sont au Mexique. Il y a quelqu'un parmi vous qui part à Tulum, au Mexique. On va devoir la rivière, pas la Riviera, mais les fameuses pyramides, entre autres. Eh bien, mesdames, vous n'êtes plus dans la course. Il y a un homme avec un nom composé qui gagne aujourd'hui le grand voyage de la fin du monde du Bunker Énergie. Il s'en ira au Mexique
Roulement de tambour, Saint-Anne, tout le monde! Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, voici son nom. Il est avec nous depuis 6 heures ce matin. Espérons qu'il est encore présent. Jean-François Filion! Oh! Yeah. Hey. C'est notre chimiste! C'est notre chimiste! Qui s'en va au Mexique! Hey, viens ici, mon vieux! Jeff! Notre chimiste! T'as-tu une copine, Jeff? Non. Oh! Là, tu vas pas être en faire une, là. Avec qui tu vas aller dans le sud? Pas encore confirmé. Ah, oh, ça, j'aime il ça. Il va tout à coup avoir des nouveaux amis. Tu vas tellement voir de chum. Écoute, joyeux Noël, mon chum. Tu pars quand tu veux. Écoute, tu t'en vas au Mexique. Oui, c'est assez hallucinant. C'est le fun en temps, là. T'as un passeport? Oui. Okay, parfait. Okay. C'est tout ce que ça te prend. Un chimiste, pas de passeport. Il y a ça. Hey, félicitations, mon vieux. Félicitations. Bravo. Un gros merci. Félicitations, Jean-François. Mais un gros merci à tous nos auditeurs qui sont en studio, à tous nos auditeurs qui nous suivent depuis 6h10 ce matin. J'aimerais également remercier Claudine Prévost. C'est un plaisir, salut, Pierre. Ma belle Claudine. C'est un plaisir. Hey, c'est vraiment le fun. T'es très gentil, Claudine. André Furlat également, mon vieux compagnon. Je te salue, André. Jean-Simon Gosselin à la recherche de cette émission spéciale. Merci, Jean-Simon. Notre patron, Martin Tremblay également, qui est salué. Et applaudi pour sa coupe de cheveux. Oui, bravo. Notre équipe d'animateurs. Julie Saint-Pierre, Philo Lirette, Phil Branch, toute la gang était là. Martin Lemay. José Godet qui est venu faire un tour. Étienne Phoenix qui a quitté le nouveliste. Oui. Sans oublier, bien sûr, Madame Justin Bieber, Anaïs Favreau qui était là depuis ce matin. Votre animateur, Pierre Paget. Oh, merci. Et votre humoriste de l'année 2012, Monsieur Philippe Bond. Un gros merci également à Benoît Lesdents. Benoît Lesdents, Cossette. Gros merci à tout le monde, notre équipe technique en arrière. Ça a été fort agréable, toute une expérience. Et nous allons vous offrir comme dernière chanson, nous, pour quitter pour le temps des fêtes, parce qu'on va se retrouver le 7 janvier prochain, Last Christmas, dans quelques instants. Merci aux filles qui nous ont servi. Un bon applaudissement pour le service, la bière, là-bas. Je vais prendre seulement 2-3 secondes pour vous dire qu'on va être de retour le 7 janvier prochain, une 13e saison pour C'est encore drôle. Fantastique, on est très contents. Et on vous réserve des surprises pour la prochaine année. Passez un bon temps des fêtes. Salut tout le monde. Joyeuses fêtes.